retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, comme j'ai dit, règle du savoir-vivre. Est-ce que, qu'est-ce que ça évoque pour vous d'ailleurs, le savoir-vivre? Merci. Le savoir-vivre, le savoir-vivre, c'est tousser d'abord, c'est très bien, ça commence très bien. C'est être mal poli tant que vous y êtes. Je pense que le savoir-vivre. Hein. Oui. Non, c'est les règles qu'on inculte à, généralement, que les parents sont censés inculquer à. Inculquer, s'il te plaît, parce que inculquer, il y a un petit problème. Inculquer, s'il te plaît. Oui. À inculquer, excusez-moi d'avoir mes plaints aussi. Donc voilà les formes de politesse, c'est-à-dire merci, c'est de devoir dire merci, bonjour, au revoir, de rien, etc. Ça fait penser à Super Nanny, ça, tiens. Voilà, exactement. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit en introduction, c'est pour ça. Bon, il y a plusieurs thèmes que je vais vous évoquer. Après, vous allez me dire ce que j'ai les éléments pour par rapport au savoir-vivre, les règles du savoir-vivre. On va voir si vous les avez bien appris dans votre vie et si surtout vous les appliquez. Respecter. Et si vous les appliquez. Ça, ouais. C'est quand même une question. Alors, premier thème, c'est je me tiens bien à table. Quelles sont pour vous les règles du savoir-vivre pour bien se tenir à table? Eh ben, c'est de pas mettre quand on mange, c'est pas de mettre les coudes sur la table. Exact, ça c'en est un. Alors, c'est pas tout à fait ça pour les coudes, oui. Si les coudes sur la table, si effectivement ça ne pas faire, mais c'est pas marqué, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y en a un autre qui vous vient en tête? Logiquement, on doit pas mettre les coudes sur la table. Oui, mais il n'y a c'est pas que ça. De roter, de pas roter. Ça, à table, j'en parlerai tout à l'heure. Ça, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a une petite. Après, logiquement, quand tu mets la table, donc déjà, tu mets ton assiette. Alors, c'est je me tiens bien à table le thème. C'est pas faire une bonne table. Je me tiens à table, c'est bien à table, c'est-à-dire, je me sois logiquement bien. Alors. On se tient déjà. Il faut tenir se tenir droit. C'est ça, c'en est un. Oh. Il faut se tenir bien droit sur sa chaise parce que les reins ne touchent pas le dossier. C'est très important. Voilà. Ensuite, mettre la serviette sur les genoux. Alors, on déplie délicatement sa serviette et on la met sur ses genoux. Puis, à la fin du dîner, on la pose sur la table sans la replier. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ça, Lionel? Ah oui. Ah oui, l'ancienne école. Tu l'appliques? L'aristocratie. Alors, non, alors moi maintenant, j'applique mes propres règles. Oui. C'est-à-dire, je mets les coudes sur la table. Oui. Non mais dans, en plus comme un cochon. Enfin, chez soi on fait ce qu'on veut. Sans blague, non, je suis quelqu'un qui se tient bien à table. Mais chez soi, il faut bien se mettre en tête. Excuse-moi Lionel, je sais pas pour tout, je te redonne la parole après. Il faut bien se mettre en tête que chez soi on fait ce qu'on veut. Mais là on est dans, je parle du savoir-vivre en public. Ah oui non, moi quand je suis chez les gens, j'ai de la tenue. Je veux voilà, dire, c'est ça. Là ce soir on est invité à manger. Je vais pas mettre mes pieds sur la table comme j'ai tendance à faire à la maison. Bon, mais tu mets pas quand même ta serviette sur les genoux quand même chez les gens. Non, je ne fais pas ça quand même. Pas à ce point-là quand même, mais il y a un minimum, c'est-à-dire que il y a pas les coudes sur la table. Je suis droit. Oui. Je mange correctement. Je ne bave pas. Je ne rote pas. Alors ça n'y est pas ça. Attends, je crois que c'est plus tard ça. Mais oh, bah, ou sinon, alors quand tu bois un coup, tu recraches dans le verre. Monsieur, dis n'importe quoi. Alors je vais vous dire les règles. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Les Français aiment bien la bonne chère et doivent connaître la bonne façon de se comporter à table. Après, on se tient bien droit sur sa chaise, les reins ne touchent pas par le dossier, ça on le sait. Les mains sont posées sur la table, de chaque côté de l'assiette. On attend que la maîtresse de maison ait commencé à dîner pour la suivre. C'est ce qui est marqué, mais c'est pas moi. Hein. Donc la serviette, j'en ai parlé, on lève son coude pour boire et on ne pointe pas son petit doigt en l'air. C'est bizarre ça. La fourchette monte. La fourchette monte vers la bouche. J'ai bien dit la fourchette, s'il vous plaît. Ce n'est que la bouche qui descend. Oui, bien sûr, vers l'assiette. On ne sauce pas. J'ai bien dit, on ne sauce pas, s'il vous plaît. J'ai pas fait de lapsus. Même avec sa fourchette et même si c'est tentant, on ne coupe jamais sa salade avec son couteau. Ça, vous étiez au courant ça? De qu'on peut oui. Ne pas couper la salade avec un couteau.
Soit disant que c'est pas bien. Que ce soit un peu vert. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Bah, la salade, elle va pas nous porter malheur parce qu'on la coupe. Il y a une chose qui n'est pas mise. Il y a une chose qui n'est pas mise dans le savoir-vivre. Il faut pas mettre le pain à l'envers. Oui, ça. Ah, vrai, exactement. Contre, ça, c'est un manque de respect. Ça veut dire qu'on ne gagne pas le pain sur le dos. C'est exactement. Entre deux bouchées, on place ses couverts sur l'assiette perpendiculairement. Alors, mon Dieu, si on doit faire au millimètre près les bouchées, les couverts, vous savez, c'est très, très aristocrate, le truc. Hein. Ah ben, on ne fait pas de grands gestes en tenant ses couverts. On ne se sert pas de son couteau pour désigner quelque chose. Ben, heureusement, on va pas se servir de couteau. Ouais, tu peux me passer le pain, s'il te plaît. Non, mais en pointant le couteau vers la personne, quoi. C'est clair, oui. Que ça se fait pas. On pense à essuyer sa bouche avant de boire. On coupe un morceau de pain avec ses doigts et surtout pas avec un couteau. Ah bon ? On s'intéresse à son voisin de gauche comme à celui de droite. Et enfin, mais qui ne le sait pas, on ne parle pas la bouche pleine. C'est logique parce que bonjour les postillons. Oui. Donc voilà. Mais t'en as qui parlent même la bouche vide, mais qui envoient des potions quand même. Hein. Oui, c'est surtout si t'as des petits pois, t'es en train de manger des petits pois et puis que tu parles en même temps. Bonjour la guerre de petits pois. Allez, deuxième thème. Je salue et je fais les présentations. Ouais. C'est le thème. Donc, vous faites des présentations. Imaginons que vous faites des présentations, vous avez affaire à une personne, déjà un inconnu, même à votre employeur quelque part, mais quand vous faites un entretien d'embauche, ça en fait partie. Qu'est-ce qu'il faut voir d'après vous ? De quoi ? Quand vous présentez dans la rue, dans un bureau, chez des amis, vous présentez, vous saluez. Comment il faut faire d'après vous ? Comment on fait ? Ouais. Tu fais une révérence. Non, là, faut peut-être pas exagérer. On n'est pas chez Molière non plus, hein, mais. la formule de politesse. Non, alors généralement, c'est la main derrière le dos, une main derrière le dos, et tu tends la main et tu dis bonjour. Oui. Il n'y a pas écrit non plus grosse tâche. Il y a encore un peu plus, hein. Bon. D'abord, premièrement. Sinon, tu dis salut, wesh moumou. Premier savoir-vivre. Alors, j'ai du mal avec ça, personnellement, je veux dire, pourquoi après. Merci. Oui, Cédric. Je pense que c'est lever la main. Non plus. Hugues. Non. Pour saluer une personne, tu fais Hugues, allez. Pour saluer. Moi, je dis encore plus simple, c'est la phrase, c'est dire bonjour monsieur. C'est, oui, déjà bonjour. Déjà le mot bonjour, c'est clair qu'il faut d'abord être poli. La politesse fait partie. Est-ce que vous savez qu'il faut toujours sourire ? Oui. Oui. Alors le problème pour moi, c'est que j'aime pas ça. Parce que pour moi, ça fait hypocrite. Non, c'est sérieux ? Ça se voit pas. Non, mais c'est pas ça. Mais ça fait hypocrite. Pour moi, je suis désolé. Quelqu'un qui doit avoir toujours le sourire, même si avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas, ça fait très, ça fait hypocrite. J'aime pas ça. Donc pour le savoir vivre, c'est bien. Mais où est le savoir vivre ? Où est le savoir vivre quelque part d'être hypocrite ? Mm-hmm. C'est ça que oui. Et Cédric, je t'entends à moitié. C'est pour ça que je te coupe sans le faire exprès parce qu'on t'entend à moitié en fait. Tu voulais dire quelque chose, Cédric ? Bah, tu m'entends là ? Oui, on t'entend. Ah bon, j'ai eu peur. Donc. Ouais, je disais, c'est un peu double tranchant que tu dis là. Mais c'est ça le problème. On ne doit pas sourire. Alors, si on ne doit pas sourire, donc aussi, c'est pas évident. Hein. Ben, il faut toujours. Non, le problème, c'est quand j'entends, il faut toujours sourire. Ça me dérange. Pas forcément. Je ne vais pas sourire à quelqu'un qui me fait du mal et qui est hypocrite et qui ne me respecte pas. Ça, ah oui. Clair. Ben, mais en même temps, même si c'est une personne dans laquelle tu n'aimes pas forcément, au moins t'as un minimum de politesse, donc on te demande pas non plus de lui cirer les bottes, mais bon voilà, tu lui dis bonjour, tu envoies un petit sourire, même si c'est un sourire l'air de dire ouais je te dis bonjour, mais bon voilà quoi. Mmh. C'est pas grave, au moins toi t'es poli. Ouais, mais poli, mais t'as pas besoin d'être souriant pour être poli. Non, c'est... Trop honnête pour être... Moi, quand je dis bonjour, je souris, toujours. Oui, bien sûr. Ne te force pas trop, surtout. Donc, autre chose. On doit se souvenir qu'on n'aura pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. C'est le moment de prouver combien on est sympathique et toutes les portes nous seront ouvertes. Moi, je suis pas tellement d'accord, mais pourquoi pas. Là, moi, je peux te dire que c'est pas vrai. Après, au bureau, dans la rue et même chez des amis, vous serez sans cesse confronté à une situation simple, ça c'est vrai, qui déroute pourtant certaines, faire des présentations. Alors, la règle n'a rien de sorcier. On présente le plus jeune au plus âgé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il faut présenter l'homme à la femme.
Oui. Il faut aussi présenter celui que l'on connaît le moins bien à celui que l'on connaît le mieux. Ouais. Voilà. Et en un mot, la personne que l'on veut honorer aura l'information en priorité. Ça veut dire, en fait, c'est en gros à quelqu'un de nouveau, mais on le présente en premier quelque part. Ouais. Et surtout la voilà, le côté de respect de la femme aussi. Aussi. C'est-à-dire que l'homme, c'est l'homme qui vient vers la femme, mais pas la femme qui vient vers l'homme. Le plus jeune. Donc on va dire un exemple, le plus jeune qui est un peu qui est sur le chat. Donc on va dire un exemple, c'est Lolotte. Donc en premier. Hein. Oui. Après ensuite c'est Max. Si j'ai pas un exemple. Au niveau du plus jeune, je crois que c'est Max, hein, il me semble. Hein. Ouais. Il me semble. Ouais, il me semble. Hein. Mais en gros, si on doit présenter sur le chat à quelqu'un, on présente le plus jeune, Max. D'accord. Après, bien sûr, il faut présenter l'homme à la femme. C'est-à-dire, si comme Charlotte est toute seule, eh bien, il faut présenter tous les hommes à Charlotte. C'est pas Charlotte qui doit venir, mais c'est à nous de présenter. C'est ça, le savoir-vivre. C'est un peu compliqué, mais c'est ça, quoi. D'accord. C'est un petit peu ça. Mais on n'oublie pas autre chose, un dernier détail, c'est qu'on il faut aussi, quand on serre la main, parce qu'il faut serrer la main, ça c'est très intéressant, il faut que ça soit franc, et aussi il faut regarder dans les yeux, droit dans les yeux. Mmh. On serre la main, franchement, et droit dans les yeux. Ça par contre, c'est un vrai savoir. Attends, toi j'ai dit, j'avais raison, c'est pas Max, c'est plus Lolotte, donc c'est la plus jeune, elle a 22 ans. Et il me semble que Max, qui est avec nous, je crois, là, qui est en ce moment, il a quel âge? 25. Ah, je pensais que t'étais plus jeune, tu vois. Alors, tu avais raison. Oui, mais bon, mais toi tu le connais mieux que moi, mais je pensais que Max était plus jeune que ça, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, et c'est bien. Et Charlotte, en gros, quand tu nous entends, en fait, t'es double prioritaire parce que non seulement t'es une femme, en plus t'es jeune. Ouais. comme ça, c'est parfait. Elle a la bonne place, en fait. Mais faut pas abuser de ce pouvoir-là, attention. Peut-être, mais bon. Une petite chose. Bah tiens, Max, on va pouvoir te souhaiter un joyeux anniversaire pour aujourd'hui. Pardon? On peut te souhaiter. Non, mais c'est pas ton anniversaire, je veux dire, t'as pas un an de plus, mais c'est l'anniversaire du couple, il me semble. Oui. Hein, bon anniversaire à toi et Bastien pour ce 14 février. Je lui dirai. Hein, et si tu veux transmettre quelque chose, un petit message d'amour, c'est le moment. Nous fêtons un an de fiançailles. Ah, c'est un an de fiançailles, 2 ans de couple, ouais. C'est ça? Un an et demi. Ah, c'est que. Alors, je me suis trompé, je pensais que c'était 2 ans de couple. Non, malheureusement. Je me suis trompé. Et c'est pour Karl, le passage de la bague au doigt? Bah c'est déjà fait, parce que ça fait l'année dernière pour la bague au doigt. Et le mariage, c'est peut-être pour 2015-2016. On est en 2015. C'est pas encore. Hein. Nous sommes en 2015. Mais on sait pas, peut-être fin 2015, bien sûr, oui. Début 2016. Ouais, ça va, hein. Ah bah écoute, tu dis 2 bulles, on n'y est pour rien. Hein, non mais je retiens. Ah bah c'est 14 février, on fait ce qu'on veut. Hein. Vous savez ce qu'on dit, hein, à la Saint-Valentin, on serre la main, mais vivement la Sainte-Marguerite. Et voilà, je ne dirai pas plus loin. Ah, je veux bien insérer, moi, alors. Bon, je dirai plus loin, je n'irai pas plus loin. C'est quoi la Sainte-Marguerite, là? Ah bah tu réfléchis. Bah, c'est bon, on ne le dira pas. On dira hors antenne. Tu réfléchiras, Cédric, on te dira hors antenne. Parce qu'il faut avoir un peu de savoir-vivre, s'il vous plaît. donc, troisième thème, en disant je suis galant. Alors, je suis galant en tant qu'homme. Alors, je suis désolé. Tiens, Charlotte, justement, si à la limite, en tant que femme, même ma mère qui est sur le chat, qu'est-ce qui est pour vous un homme galant? En gros, voilà la question que je leur pose, parce que je sais qu'ils sont sur le chat, donc je leur pose la question. Et pour vous, comment vous comportez en tant qu'homme galant vers une femme? Comment vous comportez? Surtout les hommes, ne soyez pas trop machistes. Hein. Surtout ne soyez pas trop machos sur les bords. Surtout, hein. Ça se voit qu'ils sont très galants vers les femmes. Je sais pas pourquoi. Macho man. Alors. Non, c'est vrai que moi dans les transports, moi quand souvent. Déjà comment ça se passe dans un restaurant? Alors on va être dans un contexte dans un restaurant. Ben si t'es dans un contexte de restaurant, donc déjà premièrement, bah c'est bon, bien sûr, hein, si on fait un savoir vivre, donc tu prends la chaise, tu dis à ta femme, voilà, tu t'assois, tu la mets la chaise tranquillement. Donc je pense que c'est comme ça. Hein. Oui, bah, oui. Déjà quand vous arrivez au restaurant, déjà tu lui ouvres la porte. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est presque ça. Il faut que l'homme entre en premier dans un restaurant. Ah bon? C'est presque ça. C'était pas loin ce que tu as dit. Moi, c'est l'hypocrisie. Mais c'est l'homme qui doit rentrer en premier sur le restaurant. Pourquoi? Ben parce que c'est lui qui accueille. Pour donner la porte ouverte.
Voilà, et puis qui ouvre la porte et puis qui appelle la femme. Oui, mais non, mais c'est pas la femme de pousser la porte. Et il doit aussi lui tirer la chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. Pardon, tu peux répéter? Tu peux répéter, Lionel, j'ai mal entendu là. Quand elle arrive, quand ils arrivent à table. Oui. L'homme doit lui tirer la chaise. Ah, la chaise, j'entends. Non, parce que, excusez-moi, je sais pas si Cédric a entendu la même chose, moi j'ai entendu, il faut tirer la chasse. Mais, excusez-moi d'être enrhumé. Mais, je me suis dit, là, il faut tirer la chaise. Ah oui, tu m'as fait peur, parce qu'il faut tirer la chasse, Et vous avez entendu la même chose ou j'ai rêvé? Non, non, t'as pas rêvé. Ah bon. Alors l'homme entre en premier dans un restaurant. Ensuite, il passe devant une femme. Alors ne vous mettez pas des images bizarroïdes dans vos têtes, s'il vous plaît. Hein, c'est pas. Nous sommes dans un restaurant. Nous sommes pas dans un backroom. Hein, d'accord. On est bien d'accord. Hein. Alors, il passe devant une femme dans un escalier en montant comme en descendant. Mmh. D'accord. Ainsi, il ne regardera pas ses jambes en montant. C'est-à-dire qu'en gros, il fera pas. Au moins, si la femme est derrière, il sera pas un voyeur en train de regarder la femme de ce que vous voulez. Et la protégera aussi d'une chute et si elle trébuche en descendant. Ah bah non. Sinon, si elle est devant et qu'elle est derrière, comment il peut la lui, donc, du coup, Imagine, ils montent tous les deux. Imagine, l'homme il passe avant, la femme elle se casse la gueule derrière. Comment il la récupère? En descendant. Non mais. En descendant, pas en montant. Eh ben, réfléchis en descendant. Eh oui. Eh ben, elle tombe et puis tant pis. En descendant. Oui, si elle tombe. S'il est devant, oui. En montant, elle est derrière. En montant, non, malheureusement. Elle est derrière et elle peut pas. Mais si elle glisse, voilà. C'est stupide. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser passer une femme devant. Alors, au restaurant, l'homme fait asseoir la femme sur la banquette d'eau au mur. Je veux dire, ça fait bizarre de lire des trucs comme ça. Ça fait penser des fois au sujet qu'on a fait la semaine dernière, à force. Donc, l'homme fait asseoir la femme sur la banquette d'eau au mur afin qu'elle puisse contempler la salle. Il ne laisse jamais son verre vide. C'est à lui de la servir du vin. Hein, avec modération, bien sûr. Il lui laisse choisir ses plats, mais c'est lui qui passe la commande au maître d'hôtel. Oui, ça, oui. Nous sommes toujours dans un restaurant. L'homme se lève quand une femme entre dans une pièce. Où qu'il soit, d'ailleurs. Et dans la rue, il marche du côté de la chaussée, jamais du côté du mur, qui est réservé à la femme. Mmh. D'accord ? Oui, c'est pour les... Et enfin, il attend toujours que la femme lui tende la main pour, à son tour, pas pour lui mettre une gifle, bien sûr, lui tendre la sienne, mais ne lui fera jamais de baise-main s'il la rencontre à l'extérieur, dans un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. Donc, il ne faut pas faire de baise-main quand tu fais une première rencontre à l'extérieur. Voilà, il faut avoir un minimum tout ça. Vous étiez au courant de tout ça ou pas? Oui, mais bon. Tiens, ça va être pour. Je pense que ça va être pour. Je sais pas pourquoi. On va rigoler, je crois. Max, t'es toujours là? Oui, toujours. Tiens, allez, le prochain thème, c'est je suis une parfaite maîtresse de maison. Cool. Ça c'est pour toi, Max. Comment tu es une parfaite maîtresse de maison? Pourquoi une maîtresse? Bah écoute, j'en sais rien, c'est pour toi. Mais pourquoi il en faut bien une maîtresse sur deux hommes, hein. Ça reste choqué. Et c'est ton anniversaire, hein, on peut dire ça. Non, mais je retiens ce que vous faites. Et on fait ce qu'on veut. Hein. Donc je suis une parfaite maîtresse de maison, bien sûr, c'est pour le ménage, je pense, si je me trompe pas. Hein, pour même c'est oui, pour je fais le ménage. C'est pour les entretiens de la maison. Donc comment qui c'est qui fait le ménage d'ailleurs chez toi, Max? Alors ma mère, mais quand ils sont pas là, qui partent à partir de avril, je fais le ménage. Et ben voilà. Lui fait la vaisselle, je m'occupe de tout ce qui est linge, parce que j'ai peur qu'il me fasse qu'il devienne des trucs blancs, qu'il devienne rose, alors j'évite. D'accord. Bon, pourquoi pas. Donc on a dressé. Et les chiens. Donc quand on dresse une jolie table, par exemple, donc nappe et serviette en tissu, premièrement. Pas de nappe et serviette en papier, hein, ça c'est très important. Ouais, c'est en tissu. Il faut une argenterie impeccable. Donc fourchette à gauche. Ah oui, comment vous faites? Alors comment on met les couverts, s'il vous plaît? Fourchette à gauche. Ouais. Couteau à droite. Oui. La lame côté comment? De quel côté? Côté intérieur. Côté, est-ce que la lame soit à l'intérieur? Oui. Donc le couteau à droite et les dents, vous savez où c'est qu'il faut aller? Côté assiette. Non, vers l'assiette. Côté travailler un certain resto. Côté assiette. Les dents, c'est sur la table. Alors le verre à eau qui est le plus grand, il est où? À droite. Perdu. C'était à gauche. Et le verre à eau à droite. Et c'est quoi qui est à droite? Le verre à vin. C'est le verre à vin, exact. Non, le verre à eau est à gauche et le verre à vin est à droite. J'ai travaillé en restauration quand même.
Bah, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais oui. Restauration, mais apparemment, tu t'es planté, tu vois. Donc et la fourchette de caleçon, les dents, elles doivent être placées sur la table. Sur la table, c'est ce que j'ai dire. Les fourchettes à gauche et dents sur la table. C'est ça que j'ai dit. Donc, on éteint les lumières trop fortes et on met des bougies pour une ambiance plus intimiste. Ah oui. Oui, Lionel, ça te parle, c'est ça? Une expérience. Non, moi, non, je mettais des halogènes, ça allait plus vite. On était sûr d'y voir quelque chose. Ça consomme beaucoup l'électricité, ça. Ça fait du bien l'électricité. Et non, c'est la facture. Ouais, mais après, c'est pas moi qui paye. Avec l'halogène, tu peux régler la densité de lumière. Mmh. Tu peux la mettre au minimum comme tu peux la mettre Vous savez que là on parle de Saint-Valentin. Vous savez que ce soir ce que je suis en train de raconter, c'est peut-être pour vous là. Non, pas du tout. Ouais. Et puis moi, je me scrime pas. Pourquoi? Parce que tu fais pas un dîner aux chandelles. Moi, c'est plus aux chandelles, oui. Et ben c'est pareil. Du dîner aux chandelles. Normalement, tu dois faire comme ça pour faire une bonne Saint-Valentin. Oui, mais c'est plus bougie, moi. C'est plus avec les bougies. Mais toi, t'es dans le savoir vivre. C'est pas comme chez Lionel qui veut carrément une halogène. Carrément, tu prends la plaque. Carrément, tu t'allumes le four et puis tu. Oui, bien sûr. Tu t'éclaires au four. Hein. Et tu mets la dinde dedans, c'est ça? Non, pardon. Moi, je le dis cash. Y a pas de. Voilà, on s'est souhaité ce matin la Saint-Valentin normale. On s'est fait des petits bisous, tout ça. Mais il y a rien du tout d'autre. Il y a pas de repas. Il y a pas de repas. Est-ce que si vous avez un invité d'honneur, vous savez où est-ce qu'il doit être placé? Ouais, sur la table. Non, pas sur la table. Sur la lampe. Non, mais étantillé au coin du salon, c'est ça, étantillé? Oui, dans le canapé. Non, j'ai pas dit sur la table, j'ai dit sous la table. Ah, sous la table. Je t'en prie, t'es dégueulasse. Sous le bureau. Dans la cheminée. Étantillé sous le bureau, quand c'est au travail, c'est sous le bureau, étantillé. Dans la cheminée. Non. Il servira de feu de bois. Mais honnêtement. Il doit être à droite, je crois, non? C'est ça, mais à droite de qui? De ton partenaire, je crois, non? Non. Pas tout à fait. De toi, à ta droite. Oui, ouais. Mais à droite de qui? C'est ça la question. Bah du mec. Si c'est un couple. Vous savez pas. Hétéro, c'est à côté du mec. Eh bien perdu. Enfin, on va dire ça à comme ça. Après, chez les hommes, après chacun se dit qui est la maîtresse de maison. Après, ça sera une autre question. L'invité d'honneur est à droite de la maîtresse de maison. Ah bon. Voilà, la maîtresse maison, je vous rappelle que c'est celle qui fait le. Ouais. Voilà, celle qui fait le. Qui gère le repas. Qui gère le repas. Oui. J'ai dit à ma droite, pardon, si c'est moi le maître de maison. Oui. Ben, c'est un peu la même chose, mais il doit être à ta droite. Mais attention, qu'on soit bien clair, il y a un seul maître de maison. Ouais. Il n'en faut pas deux. Ton partenaire, c'est la maîtresse de maison. Et le conjoint est où, d'après vous? À gauche. En face. Ou à la gauche. Ça dépend. Oh, je pense que c'est en face. Alors, je vais essayer. Vous allez voir si vous arrivez à bien repérer. Je crois que c'est pas tout à fait en face, en fait. Alors, l'invité d'honneur. C'est légèrement décalé. Alors, écoutez bien, c'est un peu compliqué. Déjà, l'invité d'honneur le plus âgé ou celui qui n'est encore jamais venu, ça c'est très important, est à droite à la maîtresse de maison. Donc, l'invité d'honneur, attention, le plus, également, ça marche chez les plus âgés, hein. Mm-hmm. On est d'accord. Hein. Et aussi, donc, son conjoint à droite du maître de maison. Du maître de maison. Donc, vous allez dire l'homme. Mmh. Mmh. D'accord. Le maître de maison, c'est l'homme, quoi. Donc le conjoint de l'invité d'honneur doit être à droite du maître de l'homme. Ça va, vous suivez? C'est un peu compliqué, hein. Et on respecte aussi l'alternance homme-femme. Ça, c'est très important pour la parité et l'égalité. C'est très intéressant, ça, par contre. C'est comme, c'est un peu ce qu'on a quand on a invité au mariage de nos amis. C'est comme ça que c'était placé sur l'étape de mariage. C'était échelonné un homme, une femme à chaque fois. Alors ça peut concerner Lionel. Des fiancés ou mariés depuis moins d'un an sont assis côte à côte. Tant mieux. Oui, je savais. Les maîtres de maison sont très attentifs aux invités. Donnent la parole aux silencieux et interrompent avec délicatesse le bavard. Ouais. Donc Lionel qui est très bavard, ça m'étonne pas. Mais bon, on a du mal à me faire taire, c'est ça le problème. C'est un petit peu ça, ouais. C'est le problème, il est là. Alors il faut faire également attention à ce qu'il y ait toujours du pain et du vin dans les verres. Alors, pas du pain dans les verres, mais il faut du pain, bien sûr, et il faut du vin dans les verres quand on accueille. Il faut le corps et le sang. Ah, c'est le corps, et le pain, c'est le corps, et le vin, c'est le sang. Il manque pas un troisième aussi? Il n'y a pas l'esprit? Non, l'esprit, il n'y est pas, non.
Oui, il me semble qu'il y avait un troisième truc. Ceux qui ont fait les catéchismes, il me semble qu'il y avait, il y avait trois trucs pour, par rapport à ça. Oui, ça fait, c'est un peu catholique, mais c'est vrai. Quoi. C'est pas... le sang et... Tiens, bon, moi qui ne suis pas dans l'alcool, comment d'après vous, il faut conserver une bouteille de champagne entamée? Avec une cuillère à café la, donc à l'envers sur le goulot, oui, et au réfrigérateur. Oui, alors attention, on est d'accord, mais cuillère comment? Bah, cuillère à café. Non, perdu. Je suis désolé de vous décevoir. C'est quoi ça? C'est une cuillère... Alors, le goulot de la bouteille, oui. Dans le goulot de la bouteille, c'est le haut, on est d'accord. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre exactement? Alors, toi, Lionel, c'est uniquement la petite cuillère, t'es sûr? Ah, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Oui, mais malheureusement, il manque un détail. Faut mettre une petite cuillère. Hein. Oui, mais il manque un détail pour la petite cuillère. Et c'est très important de le dire. Ah bon? Et vous allez comprendre pourquoi. Du citron, non? Non, non, mais ça concerne la petite cuillère. Ah, la petite cuillère. En argent, non? Et oui, c'est en argent, oui. Il faut une petite cuillère en argent. Et pas une cuillère en inox, parce que malheureusement, ça... Et si t'en as pas? Ça oxyde. Et pas... si t'en as pas, tu fais comment? Mais le problème, c'est que si tu mets une cuillère normale... Tu vas pas t'en acheter une spécialement pour... Non, mais c'est très important. Donc il y a des tests qui ont quand même qui ont été pratiqués. Le résultat est implacable. Cela ne sert absolument à rien, par contre. Je sais pas si il y a des tests par rapport à la petite cuillère. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient oui, ça évite que les bulles elles s'en aillent trop vite. Non, c'est pas vrai. Alors, ça sert strictement à rien. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je suis honnête, je sais pas pourquoi à la rigueur. D'ailleurs, on met une cuillère dedans. Mm-hmm. Moi, c'est ce qu'on m'a appris depuis que je suis gamin. Hein, donc voilà. J'ai jamais su pourquoi, parce qu'en plus, si ça sert à rien, c'est complètement débile d'en mettre une dedans. Quoi. Quand t'as une bouteille de champagne, à la rigueur, tu prends un bouchon spécial qui est adapté pour les bouteilles de champagne. C'est justement ça que je vais en parler. Cédric qui voulait prendre la parole aussi. Je pense que c'est pour garder la saveur du champagne. Pourquoi? Pour la petite cuillère, tu veux dire? Ouais. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut en argent, par contre. Ouais, c'est ça, c'est pour... en argent. Mmh. Je pense que c'est pour garder la saveur du champagne. C'est pour garder le goût du... Voilà, le goût de la saveur du champagne. Alors, par contre, la solution la mieux appropriée, c'est effectivement le bouchon hermétique. Ouais. Parce que, pour déguster plus rapidement, car c'est un champagne sans bulle et c'est triste à mourir. Ouais. C'est la solution qui est marquée devant moi. Adapté, mais on parle ça serait le mieux adapté. Je sais pas si ça convient au savoir-vivre, mais pour bien conserver le champagne, ça serait ça. Ouais. Il faut quand même le souligner. Alors, je reçois une personne, un invité ou un inconnu, tout ce que vous voulez. Quelle quantité pour combien de personnes d'après vous? Alors, pour la bouteille, d'après vous, combien il faut de bouteilles de champagne pour deux personnes? Une. Ou deux? Une. Une. C'est une seule bouteille. Bah oui. Combien il faut de deux. Combien il faut de bouteilles de vin pour deux ou trois personnes? Deux. Ah, moi, pour quatre. Trois. Trois. J'ai mal... Mon Dieu, j'ai mal entendu là. Trois. Alors, on est d'accord, hein, on est toujours sur le savoir-vivre. Hein, donc, trois bouteilles. Trois bouteilles, combien? Qui dit mieux? Pour combien de personnes? Deux, trois personnes? Pour deux ou trois personnes? Deux ou trois personnes, c'est trois bouteilles. Ça fait beaucoup, je trouve. Bah, ça fait une bouteille par personne, quatre. Ça fait beaucoup, je trouve. Alors, combien de bouteilles de vin pour deux ou trois personnes, il faut? Ouais, moi, je dirais deux bouteilles. Mm-hmm. Ensuite, qui dit mieux? Moi, je dirais quatre. Hmm. Putain, alors, je tiens à vous dire, vous avez tous faux. C'est une. Ah bon? C'est une seule bouteille. C'est pas assez pour moi, une. Ben, et vous avez oublié qu'il y a la bouteille de champagne à côté. Ah oui, d'accord. Mais alors vous êtes carrément alcoolo comme sur les bords. Hein. Bah, il vous faut trois bouteilles de vin, deux bouteilles de champagne, tout va bien pour vous. Ben non, tu prends si t'es trois pour manger pendant le repas, tu prends quand même au moins deux bouteilles de rouge quand même. Mm-hmm. Et après, t'as la bouteille de champagne. Ça ah, moi, je prends deux rouges, deux rosés. Alors, combien il faut de litres de jus de fruits pour 4 personnes? Zéro. 2 litres. Il faut 2 litres. 4 personnes pour 4 personnes. Pour 4 personnes, 2 litres. C'est des grosses de 1 litre, ça va. Moi, c'est des deux, si c'est des 2 litres, il t'en faut 2. Mm-hmm. Suivant. Une bouteille d'orange. Combien? Moi, je pense que c'est d'être... Bah, si c'est 2 litres, 1 litre, 2 litres, ça fait déjà pas mal. C'est 1 litre. Un ça litre. Veut dire 25 centilitres par personne. Oh bah putain. Bah 25 centilitres par personne, c'est ce que vous avez au McDo, hein. Bah c'est pas généreux. Ouais, quand même, hein.
Oui, mais bon, de jus de fruits, quoi. Vous avez pas besoin. Après, vous avez de l'eau hein, pour ça. Après, là, par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il faut 1 litre d'eau pour 4 personnes. Alors là, par contre, je suis assez. Vous êtes en été. Vous êtes en été. Il fait 35 degrés. Il faut recevoir avec 1 seul litre d'eau. Hein. C'est quand même. C'est quand même hallucinant. Non, mais il faut pas non plus mourir de soif là-dessus. Hein. Alors, donc, tiens, on va faire un exemple. Ça, c'est pas un. Ah bon. Si moi il y a 2 litres de rouge, 2 litres de. Oh là là, j'ai rien entendu. C'est bon, ouais. J'ai mal aux oreilles, excusez-moi. et là aussi, autre chose de très important, il faut. Et là, c'est quand même beaucoup plus bizarre, quand même. Je vais vous dire, 1 bouteille de whisky ou de vodka pour 12 personnes. Bah, ça, c'est normal. Ah non, moi, une bouteille de whisky, elle fait pas pour 12. Hein. Moi, une bouteille de whisky, chez nous, elle le fait pour 4 personnes, 5 personnes. Oui, pourquoi en un repas? Oui, en une seule fois. Hein. Eh ben, punaise, j'aurais pas chez toi. Bien, bien, une bouteille, oui, pour 4-5 personnes. Ils sont vraiment. Max, tu m'aimes vite. Et vous êtes pas loin, tous les deux. On est pas loin, Charbonne sur 16, tu peux venir. Combien de centilitres de sangria pour 6 personnes? Oh, centilitres. 15 litres. Combien? 15 centilitres. Non, centilitres. J'ai 20 centilitres. Alors attends, je convertis en litres. Pour 6 personnes, s'il vous plaît. Hein. C'est 20 centilitres par personne. Non. Non. Alors attendez, je parle pour 6 personnes. Alors après, j'ai pas le par personne, mais pour 6 personnes, c'est 75 centilitres. Après, vous divisez par 6 par personne. Je pense qu'on va faire du 12,5, un truc comme ça, ou du 13, ou du 15 à peu près. Mais, c'est à peu près, ouais. Mais je crois que c'est du 12 centilitres par personne sans gréa, c'est pas terrible. Hein, donc, ça te fait un fond. Bon. Alors, bon, ça je vais le passer, c'est bof. Hein. Tiens, sur le voisinage. Mmh. Ah oui. Intéressant. Alors, il arrive que le voisinage tourne au cauchemar. D'accord. Et il a l'heure du procès à tout va. Alors, il est plus que précieux d'être en bon terme avec ses voisins, c'est ce qu'on dit. Hein. En majorité, nous vivons dans des appartements ou des maisons individuelles près de personnes que nous n'avons pas choisies et qui ont parfois une éducation et des modes de vie radicalement opposés aux nôtres. Il est donc important de respecter quelques règles alimentaires afin de maintenir avec ces gens-là des relations courtoises. C'est pas le cas chez nous personnellement à Bordeaux. Donc, il convient tout d'abord, premièrement, lorsque l'on déménage, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le déménagement? Il faut prévenir les voisins du déménagement, comme quoi qu'il risque d'y avoir un peu de bruit ou. Voilà. Ah bah alors que dalle! Je déménage, ils vont se faire foutre de moi aux amours. tu sais que t'as intérêt quand même de prévenir le voisinage si t'arrives de nuit quand même, ou très tôt le matin. Ah non, moi je débrouille, c'est pas mon problème. Ouais bah dis donc, tu fais bien toi. Imagine, par exemple, tu déménages et que t'as une famille qui habite juste à côté de toi avec des enfants en bas âge. Tu fais comment? Il va dire qu'ils sont. T'es obligé de prévenir pour. Comme quand tu déménages. Voilà. Que... Si je déménage, c'est à partir de 10h, 11h. 10h. Parce que nous, on commence à 10h. Après, 11h, il y a le. 11h30, il y a le pastis, le whisky, tout ça. Mon Dieu, c'est pas possible. Après, après, il y a le digestif et tout. Max, je sens que prochainement, je vais refaire une émission spéciale alcool pour toi. Parce que. Je crois que le sujet qu'on a fait l'année dernière, la saison dernière sur ce sujet n'a pas été bien compris, je crois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça c'est clair. En ensuite, donc par rapport au déménagement, donc lorsque l'on déménage, il faut se présenter au gardien, s'il y en a un, bien sûr. Ouais. Et aussi, il faut aussi se présenter à son ou même à ses voisins de palier ou de rue. Ouais. Lorsqu'on déménage, il faut se présenter. Salut, ça va? Au revoir. Par le ton et leur attitude, ils manifesteront probablement, mais vraiment probablement avec on ne sait pas combien de chances, tout de suite, soit une sympathie naissante, attention au débordement par contre, soit une aversion immédiate, présage d'ennui, ou encore une aimable distance de loin préférable aux autres. Alors il faut garder son territoire, parce que c'est capital, on se croirait, on parle pas de chien, hein, mais bon, garder son territoire c'est quand même capital si l'on tient un minimum à son intimité, car nombreux sont les sans-gêne qui croient trouver dans votre domicile une annexe au leur. Mais échanger un mot courtois lorsque l'on rencontre un voisin, tenir la porte de l'ascenseur, saluer une personne que l'on croise dans les escaliers, aussi s'excuser de travaux passagers, oui ça c'est clair. Ah oui, faut aussi prévenir pour les travaux. Hein. Oui, ben je fais travaux, au revoir.
Il faut également prévenir et s'excuser du bruit. Alors ça, par contre, on peut toujours s'asseoir dessus. Ouais. Parce que franchement, oui, je confirme. Franchement, même pour un anniversaire, on entend du bruit. Surtout hier, justement, jeudi soir, j'en ai eu plein les oreilles. Ouais, tout machin, tout ça. Je m'en fous qu'ils fassent la fête, mais au moins qu'ils me préviennent, au moins un petit mot passe dans les boîtes aux lettres en disant excusez-nous, on fait un anniversaire. Comme nous, on l'avait fait pour le mariage. Exactement. C'est ça, exactement. C'était à midi. À midi, ils trouvaient rien de mieux que faire des trous dans les murs. Attention, je tiens à rappeler pour la loi du voisinage. De jour comme de nuit, il y a des troubles qui existent. Il y a la loi du trouble du voisinage qui existe de jour comme de nuit. Et c'est punissable. Et c'est punissable par la loi. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Moi, les voisins font pas de troubles parce qu'ils savent qu'ils prennent un pied au cul, donc ils évitent de me faire chier moi dans le quartier. Ah, parce que tu crois franchement que tu es le maître du quartier. Tu crois que c'est ça. Oui, mais t'as. Donc, ouais, mais je crois que t'as rêvé. Là. Je crois que t'as un petit peu rêvé sur ce coup-là. Les voisins, ils savent qu'il faut pas me faire chier. Ah, ça, c'est encore autre chose. C'est différent. Mais après, tu peux pas leur empêcher de faire un anniversaire à condition qu'ils te préviennent. Ah non, moi, à côté, le fond et l'été, c'est pas gênant l'été, je m'en fous. Mais jusqu'à 1h du matin, ça fait déjà beaucoup. Alors, supposons qu'il y a. Voilà, vous apprenez qu'un voisin demain soir fait un anniversaire. Et qui ça fait du bruit. Qu'est-ce que vous leur demanderez en échange, en retour? Ah bah si, de m'inviter. De toute façon, s'il prévient pas, je vais le voir une première fois. Si il se calme pas, la deuxième alors, fois, j'appelle les filles pour dit, tapage d'onction. J'ai pas encore posé cette question là. J'ai dit au départ. Qu'est-ce que vous leur demanderez au départ? Moi, de m'inviter, c'est de l'alcool, bien sûr. Bien sûr, j'y avais pensé. Ça m'étonne. Ben non, c'est qu'ils préviennent à quelle heure, de quelle heure à quelle heure ils pensent faire la fête et voilà. Lionel est toujours là au moins, là, je l'entends pas. Toi, qui as des voisins, des villes à côté, s'il y avait du bruit comme ça, est-ce que tu leur demanderais au minimum, au moins qu'ils te toquent à la porte et qu'ils te préviennent déjà? Alors, déjà, si ça commence et que j'ai pas été prévenu, je vais aller les voir gentiment, leur disant que soit qu'ils baissent un peu les watts, soit que la prochaine fois, ça serait sympa de prévenir les gens. Et s'ils le font à ce moment-là, du moment qu'ils viennent me prévenir, je n'ai rien à dire. Du moment où je suis prévenu, je m'en fous. Quoi. Le plus difficile lors des bruits du voisinage, c'est pas les hurlements. Ce qui est difficile, c'est les basses. Vous savez les boum 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 qu'on entend sur les murs, vous savez, on entend les boum boum, hein. Je peux dire que ça y va là-dessus. C'est pour ça, moi je préviens une fois qu'il baisse, si la deuxième fois je suis obligé de réintervenir, c'est pas moi qui le ferai, c'est les flics. Moi je sais que pour mon mariage, j'avais prévenu les gens 48 heures avant. Mm-hmm. Avec des mots dans les boîtes aux lettres, bien sûr, parce que leur dire de vive voix, c'est bien, mais en ayant un mot, c'est encore mieux, comme ça, ça rappelle un peu qu'il y a un événement. Mmh. J'avais prévenu aussi les forces de l'ordre, comme ça, moi, j'étais tranquille. Mmh. Et je n'ai pas eu de soucis de tapage nocturne. Juste eu la visite des gendarmes qui étaient venus voir si tout se passait bien, s'il n'y avait pas de grabuche, et puis c'est tout. C'est bon. Ça. Et jusqu'à 3h du matin, on a réussi quand même. Et jusqu'à 3h du matin. C'était quand même... Et j'ai même eu des retours après en disant que certains voisins m'ont dit que ce qu'il y avait comme musique, c'était de la bonne musique. La moindre des choses, c'est quand on a un minimum de respect, c'est de prévenir les gens. Je dis pas de les prévenir 3 mois avant, mais au moins voilà, d'aller les voir, d'aller à leur rencontre, de leur dire bon ben écoutez, voilà, ce week-end on fait une petite soirée exceptionnelle, il risque d'y avoir un peu de bruit, ça vous voilà, bon ok, il y a pas de souci quoi. Du moment où c'est prévenu, il y a pas de souci pour moi. Bon, on continue le sujet des règles du savoir-vivre au bureau cette fois. Alors au bureau, hein, dans le travail. Alors la vie en entreprise est heureusement régie par des règles du savoir-vivre sans lesquelles la cohabitation entre collègues. Lionel, si t'as des choses à dire là-dessus, ça va te rappeler des choses. Quelques 7 ou 8 heures par jour de personnes qui ne sont pas choisies pourraient facilement devenir invivables. Les rapports entre les gens ne sont pas les mêmes dans un start-up ou un ministère, c'est un exemple. On s'en doute, mais c'est surtout la personnalité de chaque directeur ou responsable, et même des collègues ou des employés, qui donne le ton, enfin, ça dépend des personnalités de chacun. Dans certaines sociétés, le tutoiement est pratiqué au-delà des barrières hiérarchiques. Je confirme, c'est ce que je fais moi. Dans d'autres, le vouvoiement est de rigueur. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux d'ailleurs au travail? Moi je tutoie. Même la grande direction, je la tutoie moi. Et ça, est-ce que ça choque? Est-ce que ça vous choque le tutoiement au travail? Bah personnellement, moi ça me choque un peu parce qu'au niveau. Bon, que tu tutoies entre collègues, pas de souci, mais que tu tutoies la direction,
Et si la direction c'est ta propre femme, tu vas la vouvoyer ? Non mais bon après voilà, si c'est ta femme la direction. T'as une femme ton homme bien sûr. Voilà. Tu vas le tutoyer, c'est logique. Bon mais je suis ton supérieur, tu peux me vouvoyer alors. Mais si au niveau assaut alors. Mais si tu connais pas la. Bon ben Lionel, il faut me vouvoyer. Hein. La direction, si tu les rencontres une fois de temps en temps, le tutoiement est pas de rigueur. Bon ben vous avez compris, hein, il n'est pas content, donc il faut me vouvoyer, Lionel, t'as pas le choix. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Non mais j'ai pas. Oui, c'est vrai que toi aussi, Max, tu fais partie d'Assaut, donc il faut me vouvoyer maintenant, Max. Donc, oui, alors aussi. Là, tu peux rêver. C'est qui le chef? C'est qui le patron? C'est moi le patron. Non, même pas en rêve. Ah bon? On va prendre des choses, tu. Alors, la question n'est pas de savoir quelle est la meilleure formule dans l'absolu, mais dans chaque entreprise. D'accord, ça c'est chaque entreprise a sa propre fonction, son propre règlement. Le tutoiement d'un supérieur ne se fera qu'à sa demande et ne doit en rien conduire à une familiarité ou amputer le respect qui lui était dû. Pour les autres, le mieux est de suivre les règles du bureau et pour son propre. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas d'autorisation ou de dire de tutoyer, eh ben il faut vouvoyer tout simplement. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des entreprises de vouvoyer même des collègues. Mais vous voyez, vous à l'entretien d'embauche, salut Safart, comment tu vas? J'aimerais bien voir mon emploi. Allez, dehors, merci. C'est vrai qu'en restauration, la plupart du temps, les collègues qui sont en cuisine, ils préfèrent que tu tutoyer que de vouvoyer. Mais il y en a où c'est vous voyez à longueur de temps. Alors, comment il faut se comporter dans un bureau? Lionel, tu es bien placé pour le dire. Hein. Okay. Les pieds sur le bureau, la clope au bec. Je suis assez naturel, donc déjà pour tout ce qui est vouvoiement et tutoiement. Par contre, Lionel, excuse-moi de te déranger. Ton micro est faible. Et peux-tu augmenter, s'il te plaît, un petit peu le son de ton micro? Ouais, c'est mieux. Merci. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un petit peu mieux. Est-ce que tu peux donc toi qui es responsable? Ouais, comme je disais pour tout ce qui est vouvoiement et tutoiement, moi du moment où on me vouvoie, je vouvoie. C'est automatique. Si on vient me tutoyer, je tutoie automatiquement. Ah toi tu fonctionnes comme ça. On te vouvoie et on te tutoie, tu tutoies. Voilà. Disons je vais rentrer dans un bureau chez un patron. Il va me dire bonjour, entrez, asseyez-vous. Mm-hmm. Donc, je vais m'asseoir, je vais discuter avec lui tout en vous voyant. Mais sitôt que lui, il va commencer à me tutoyer, par exemple, qu'il va me dire écoute, ton CV ou je sais pas trop quoi, moi c'est fini, automatiquement je passe au tutoiement aussi. J'ai une question, toi qui es maintenant responsable. T'as un nouvel, on va dire, employé qui vient vers toi, qui se présente devant toi, ou alors même qui est embauché, tout ça, et il te tutoie, tu dirais quoi? Je dirais rien, parce que moi, quand j'ai été recruté, donc j'ai été recruté par une personne à peu près de mon âge, et cette personne-là, elle m'a dit, j'ai commencé, on va dire, limite à la vouvoyer. Elle m'a dit non, ici il n'y a pas de vouvoiement, on se tutoie, donc voilà, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc voilà, non, moi une personne qui va me tutoyer, ça me dérange pas. Ça tombe très bien que tu parles de là, genre c'est pas affiché encore devant moi, je sais pas si ça fait partie des catégories tout à l'heure. Concernant l'âge, par rapport à l'âge, est-ce qu'il faut franchement respecter ces anciens en vous voyant? Alors moi, pour un patron, si le patron est beaucoup plus âgé que moi, comme j'ai eu lors de mon dernier emploi avant d'être au chômage depuis maintenant, depuis un certain temps, il était, on va dire qu'il a, oui, bien la cinquantaine, le vouvoiement était automatiquement pour moi de rigueur. Alors je vais vous dire, moi c'est un respect, donc il y a le respect. Après, dans le fil du temps, bon, on se connaissait un peu plus, donc c'était le tutoiement. Mais dans un premier temps, c'était surtout le vouvoiement. Je vais essayer d'expliquer mon idée. C'est que souvent, ce que je vois dans la vie courante, les personnes âgées demandent à ce qu'on les vouvoie, mais les personnes âgées envers les jeunes, ils tutoient. Et ça, pour moi, je suis pas d'accord. Disons que c'est un juste retour des choses. Tu veux qu'on te vouvoie, donc vouvoie-nous. Tu veux qu'on te tutoie, tutoie-nous. C'est ça. C'est un peu le règle, on parle de respect, c'est le respect d'autrui. C'est du donnant-donnant, quoi, hein, c'est tout, quoi. C'est... Parce que bon, là, on est sur le respect d'autrui maintenant. Ce que je comprends pas, c'est ça. C'est que les personnes âgées disent, je suis plus âgé, tu me dois le respect.
Ok, alors pourquoi lui, il ne montre pas en retour l'exemple du respect en vous voyant justement le jeune? Bah parce qu'il se croit... C'est ça que je comprends pas. C'est sûr quand il y en a qui te disent, je sais pas, parce que peut-être, moi ça m'est combien de fois ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Enfin, je vais pas dire que j'étais vieux, mais que je suis vieux maintenant, mais quand j'étais ado, on va dire, quand je jouais au foot avec des collègues ou quoi que ce soit, ça arrivait que le ballon aille chez le voisin ou un truc comme ça. Ben t'avais le papy qui sortait, ah, bande de petits cons, nanani, nanana. C'est ça. Mais ouais, ça. Ben, d'où tu te permets de m'insulter? Moi, je t'ai pas manqué de respect. C'est ça. C'est un petit peu ça. Et après il me dit oui mais écoute je suis plus âgé que toi, hein, tu me dois le respect. Oui, non, mais, oui mais ça donne pas le droit d'insulter. C'est ça. Enfin, c'est ce que moi mon père faisait quand il allait voir la personne. Ok d'accord, vous êtes une personne d'un certain âge, je comprends qu'il y a le respect, mais ça ne vous donne pas le droit de manquer de respect à mon fils, il y a une façon de parler. Ça d'accord. S'arrête là. Voilà, c'est, mais et c'est la personne bien. Généralement le malaise est bien installé, elle sait plus où se mettre. Alors qu'est-ce que vous proposez comme solution là-dessus? Quand je dis vous, c'est je te vous vois pas Lionel, mais vous, oui, parce que vous êtes trois sur Skype, qu'est-ce que vous proposez? C'est respect mutuel, point. Ah mais c'est un respect mutuel que du moment que moi ça m'est déjà arrivé dans les transports en commun, dans les transports, que je parce que il y a une personne qui voulait pas se pousser, je lui dis gentiment une fois de se pousser en la vous voyant, elle me dit oui mais t'as pas à me demander de me pousser, je fais ce que je veux. Je fais moi, désolé, j'ai été gentil avec toi parce que moi je l'ai vous voyé au départ et l'autre il vient tout de suite me tutoyer. Je lui fais bon. Déjà et... quand tu dis l'autre. Oui, c'est pas mais non, mais voilà, la personne me tutoie directement. Je lui fais bon à ce compte-là. Maintenant, je t'ai demandé gentiment une première fois, tu veux de te pousser, tu veux pas le faire, je te pousse. Point barre. Enfin, moi, j'ai une anecdote. Quand j'ai connu donc l'association dans ses débuts, que je l'ai connue moi, hein, pas dans les débuts où elle a été créée, mais quand j'ai connu le chat en premier, donc j'ai eu affaire à des chatteurs et chatteuses au départ. Parce que je commençais à me renseigner, je me renseignais sur le truc et tout, et on m'a dit bah tu verras, normalement tout à l'heure il y a le responsable qui devrait se connecter et tout, et bah tu pourras discuter avec lui et tout. Et je me rappellerai toujours de ça parce que quand tu t'es connecté, ça a été pour moi un vouvoiement de suite. C'est-à-dire ah ben bonjour, je suis je suis nouveau sur votre chat, machin, nanani, nana, je suis intéressé par votre association. Et de là, moi, je me rappellerai toujours. Tu m'as envoyé donc en retour une réponse écrite avec tu, et je t'ai tutoyé de suite derrière. Mm-hmm. Voilà. Bon. Ça c'est voilà. Mais justement, ça, quand on parle des associations, est-ce que pour vous, dans les associations, on devrait fonctionner comme dans les entreprises? Je pense pas parce que. Une association, c'est tout le monde est à la même hauteur en fait. C'est ça. Il y a pas de patron, il y a pas de machin. C'est on est tous sur une même longueur d'onde. On a tous le même objectif. Donc il y a pas de plus grand que. C'est non, je suis désolé. Même moi qui suis responsable, responsable d'antenne, chargé de matériel, des véhicules, etc. Je suis au même titre que tout le monde. Je suis un secouriste à part entière. Je travaille avec des personnes qui ont des années de secourisme bien plus que moi, qui ont des niveaux bien au-dessus. Ben, quand on discute, on est tous sur la même longueur d'onde. Alors voilà, je vais vous donner des exemples de comment il faut se comporter en entreprise. Ben, prends note comme ça, Lionel, ou alors en podcast, tu prendras note de ce que je dis. Alors, il faut se comporter évidemment poliment. Évidemment. Et aussi discrètement. Il faut de la discrétion aussi en entreprise. C'est un peu étonnant, mais c'est vrai. En fait, j'ai vu votre famille hier. Déjà, il faut être un peu effacé, ouais. Première chose, évidemment, dire bonjour et au revoir pour commencer. Ouais. Il faut toujours frapper à la porte avant d'entrer dans un bureau. Ouais. N'est-ce pas? Et ça, on est d'accord. Il faut se lever lorsque quelqu'un arrive dans son bureau. Toujours. Toujours. Ne pas s'investir dans les bruits de couloir. C'est clair. Il faut respecter les horaires. Mmh. Oui, être ponctuel, oui. Ça c'est ce sûr. Aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. participer à la vie collective du bureau, c'est-à-dire lorsqu'un pot est donné, par exemple. Mmh. Oui, tout à fait. Ne pas toujours refuser de déjeuner avec les autres. Tout à fait. Ne pas insister pour déjeuner avec une personne qui visiblement n'y tient pas. Mmh.
Ne pas abuser du téléphone ni de l'internet pour son usage personnel, n'est-ce pas? Alors là, ça commence à être déjà un peu plus coriace. Moi, ça me dérange pas. C'est pas le truc qui me choque, le côté téléphone et internet pour des usages personnels. Moi, je sais que personnellement, j'utilise. Il y a les pauses pour ça. Hein. J'utilise certains éléments qui sont mis à ma disposition à la protection civile pour des raisons personnelles. Oui, mais il y a les pauses pour le personnel, c'est ça que je comprends pas. Oui, alors moi, je parle pas forcément du téléphone ou autre. Je parle, vu que je suis responsable des véhicules, principalement, j'utilise les véhicules de la Protec à des fins personnelles. En temps normal, je devrais pas. Alors, je continue. Considérer avec respect les personnes qui occupent des postes inférieurs. Oui, arriver à l'heure à ses rendez-vous. C'est mieux. Suivre les règles de l'entreprise en matière d'usage du tabac. Au contraire de moi, quoi. Concernant le tabac, n'est-ce pas? Tu vois, on est en plein travail. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut respecter par rapport à l'usage du tabac. Oui, ben j'ai été fumé à la pause. Non, ben justement, donc tu fais pas du savoir-vivre pendant le. Et puis la pause, c'est pas vraiment une pause de un quart d'heure comme dans les entreprises. Nous, c'est une pause de 5-6 minutes, tu sais. J'ai pris quoi, 2 minutes pour. Alors, un employé respectera sa hiérarchie même si leurs vues divergent. Il ne se permettra pas de familiarité, mais saura solliciter son aide en cas de problème ou de question. Il s'abstiendra avec lui de toute comparaison avec un autre employé et se gardera bien de dénigrer ses collaborateurs. Ensuite, le responsable, Lionel. Un responsable, écoute bien, saura manifester son estime à l'égard de ses subordonnés. On est d'accord ? Et même les remercier pour la réalisation d'une tâche particulière. N'entrant pas dans la définition de leurs fonctions, par exemple, hein, c'est très important. Donc, il n'abusera pas non plus avec eux des réunions tardives afin de leur permettre de se libérer à temps et tâchera d'être attentif à leur mode de vie professionnel et personnel. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai une présidente à l'heure actuelle qui est tout à fait charmante et qui j'aimerais bien qu'elle me lâche un peu les baskets en ce moment. Parce qu'elle arrête pas de me solliciter. J'ai rien contre. Moi, ça me donne des points, donc tant mieux. Mais j'avoue que c'est limite si ma vie personnelle n'a pas été un peu bouffée. Quoi. Donc, en gros, ce que tu demandes pour savoir vivre, c'est respecter un petit peu ta vie privée. Mmh. Voilà, je veux dire, c'est vrai que je le cache pas, je suis disponible. Mmh. Je n'ai pas de boulot fixe, je n'ai pas de machin. Donc, c'est vrai que je suis assez disponible. Maintenant, comme je dis, il faut pas non plus abuser de ça. On doit avoir un espèce de gros avion ou de gros hélicoptère qui doit passer au-dessus de nous. Parce que ça fait un bruit. Ouais. Ça fait un bruit vraiment bizarre. Ne vous inquiétez pas, ça vient pas de chez vous. Hein. Non, c'est un avion qui passe au-dessus. Et puis c'est un gros avion, hein, dans ce cas. Le bruit que ça fait. Bon, donc on s'excuse là-dessus. Donc en gros, oui, c'est en gros que respecter un petit peu. Oui, t'es peut-être responsable, mais t'es pas non plus, on va dire. Il faut pas non plus abuser de. Il y a quelque chose. C'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui n'est pas marqué dans le savoir vivre. Et c'est mon opinion personnelle. C'est que je trouve que les patrons utilisent beaucoup leurs adjoints et leurs gérants. Et en gros leur sous-fifre, et ça serait bien qu'ils arrêtent de l'utiliser, alors que tout le monde est à titre égal. Le patron, c'est pas vas-y, je me lave les mains, je tourne les pouces, Et il y a aussi, c'est ce qui se passe pour nous à l'heure actuelle. Je vais pas délivrer des informations qui après regardent personne, puisque je suis quand même tenu aussi à un certain secret professionnel. Malgré que ce soit une association, il y a des trucs moi qui me chagrinent, c'est quand la présidente qu'on a actuellement, qui est aussi secouriste, quand elle n'est pas dans son rôle de présidente, a tendance à, pour moi, outrepasser ses droits. C'est ça. C'est-à-dire de se permettre de prendre des décisions. On a un conseil d'administration dans lequel je fais partie. On s'est dit, quand on a fait les élections donc de la nouvelle présidence, du nouveau CA, etc., etc., on s'est dit que toute nouvelle décision devait passer par le conseil d'administration. Or, à l'heure actuelle, il y a eu 5-6 décisions qui ont été prises, dont la réintégration d'une personne au sein de la protection civile, sans demander l'avis du CA. D'accord.
Et là-dessus, je suis pas le seul à être en colère, puisque j'ai un collègue qui lui est responsable à Digne, où on a exactement la même façon de penser, et on trouve ça complètement aberrant. Je veux dire, t'as le droit d'être président de X ou Y chose, d'être patron, d'être directeur général, mais ça ne te donne pas un droit aussi de outrepasser tes droits. Il y a un règlement, il est valable aussi bien pour le président que pour ceux qui sont en dessous de l'échelle. Ouais. Et tu respectes ça. On a tous jugé ce règlement. On a tous signé ce règlement-là en se disant toute décision doit passer par le CA. Ok, tout le monde a validé, mais c'est pas ce qui est respecté. Alors, savoir-vivre au suivant. Alors celui qui va suivre, il me tient à cœur. Pour être honnête, ça fait partie du respect d'autrui et des différences. C'est concernant les savoir-vivre dans la rue. Ah. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, aujourd'hui. Je suis très en colère parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des manques de respect total. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai jamais vu ça de ma vie, surtout dans les transports. Franchement, dénoncer certaines choses, honnêtement. Ah ouais. Est-ce que vous avez certaines règles de savoir-vivre dans la rue qui vous tiennent à cœur, qui vous passent par la tête? Par rapport au savoir-vivre dans la rue ou par rapport au transport, c'est vrai que quand il y a des au niveau des transports, que ça soit le tramway ou les bus, qu'il y ait des personnes handicapées en fauteuil roulant qui sont obligées d'avoir un accès adapté pour eux, d'accord, mais que ce qui m'énerve, et là je le dis clairement, ce qui m'énerve, c'est que quand t'as des jeunes ou des adultes, des adultes qui s'amusent exprès, parce que je l'ai encore vu récemment, exprès à passer devant les personnes handicapées au moment où les portes s'ouvrent, et qu'après la personne handicapée en fauteuil roulant ne puisse plus monter. Ça, c'est aberrant. Normalement, ils sont prioritaires. Alors, je vais vous donner des exemples, et si vous avez des coups de gueule à passer, vous réagissez. Je pense que Max et Cédric, vous êtes toujours là ou pas? Ils ont parti tous les deux d'un coup. Ah bon, d'accord, pourquoi pas. Qui c'est Max qui est là? Oui, je suis là. Max qui est là. Tout le monde est là, mais... Et Cédric, tu es là? Ah, c'est vrai qu'il est loin, apparemment, je crois. Il est un peu au lapin. On fait des bisous au lapin et même à la tourterelle au passage. Alors, au niveau de la rue, et si jamais vous avez un coup de gueule à passer, vous faites tilt de suite, d'accord? Alors, attention, première chose, aider un aveugle à traverser la rue. Est-ce que vous avez des coups de gueule à passer là-dessus? Ah, bah, moi, là-dessus, ouais. Oui, arrêtez de les faire traverser quand c'est pas le moment. Oui, aussi. Ce serait bien aussi. Ou de leur dire qu'on va les aider, puis quand au dernier moment, on passe à côté sans que. Puis le laisser tout seul, imaginons qu'il est en détresse à l'extérieur et que les personnes rigolent. Déjà, je suis très à cheval là-dessus. Quelqu'un qui se permet de rigoler au nez, un aveugle, qui malheureusement, et ça peut arriver même avec une canne, un malvoyant, ils sont pas à l'abri de se cogner quelque part. Mmh. Et les gens à côté ils le regardent, je rigole et tout. Non mais oh ça va quoi, il faut arrêter un petit peu de délire. On parle d'un aveugle quand même. C'est quand même hallucinant que des gens encore aujourd'hui soient aussi comment vous dire à ce niveau-là, au niveau respect et au niveau je sais pas comment vous dire. J'aurais juste un truc à dire après. Je continue. Donc il faut aider un aveugle à traverser la rue, mais également aussi sur les trottoirs. Mmh. Hein, on est d'accord. Parce que malheureusement, quand ils arrivent pas à se repérer, tout ça, si vous voyez qu'ils sont en détresse, surtout ne les laissez pas, à l'écart et de le laisser dans sa détresse. Et ça, c'est très important de dire. Est-ce que tu veux dire quelque chose, c'est ça? Ben juste un truc. Hier, c'est quand je revenais pour le. Sur Bordeaux, au moment de prendre mon train, il y a une personne handicapée. Alors on est chez les aveugles pour l'instant, tu parles d'handicapé. Oui, mais bon. C'est encore autre chose, mais tu peux y aller. Parce qu'elle était en fauteuil roulant et malvoyante en même temps. D'accord, oula, oui. C'est quand même pas, c'est voilà. Énorme là. Les deux, ça a été noir. Ouais. Wow. Et en fin de compte, il y a une personne qui l'accompagnait jusqu'au train. Auxiliaire de vie, normalement. Normalement, elle devrait être là pendant le trajet. Or, le problème, c'est que, en fin de compte, c'était juste un véhicule de transport. Oui. Et ils l'ont accompagné jusqu'au train. Oui. Mais manque de bol, ils auraient dû l'aider
l'aider à monter dans le train. Or, ça n'a pas été fait. D'accord. Et ce que j'ai vu encore de pire, c'est qu'un agent de la SNCF qui est normalement, quand il y a des personnes handicapées qui sont obligées de monter dans les trains... Les contrôleurs sont obligés de faire ça, oui. Ils doivent être. Mmh. Eh bien, figure-toi qu'il y en a un qui est passé à côté. Ah, les contrôleurs sont faits pour ça, normalement. Les contrôleurs qui traversent les quais... C'est même pas un contrôleur, c'est un agent de quai. Normalement, c'est le contrôleur qui s'occupe de... Pas forcément. Normalement, oui, après, ou même un agent SNCF. Agent SNCF. Il est passé à côté du fauteuil roulant, et il a continué son choix. D'accord, mais il faut dire peut-être qu'il faut... Ah oui, mais il y a des malvoyantes aussi, elle n'a pas vu passer, ouais, c'est un peu compliqué. Il y a eu une auxiliaire de vie. Et moi, figure-toi qu'avec une autre personne, on a réussi à la... On l'a montée dans le train et voilà. Ça n'a pas dû être facile parce que... Ça n'a pas été évident, mais voilà. D'accord. On s'est débrouillé comme on a pu, puisqu'en fin de compte, le problème, c'est que dans les intercités, c'est les anciens trains et les portes ne sont pas vraiment... Appropriées pour... Allez, deuxième exemple, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Soutenir une personne âgée pour monter dans un bus. Mmh. Coup de gueule, là-dessus aussi. Ah, mais là-dessus, ça, c'est... C'est pas mieux pour les places assises ? Oui, non, mais voilà, je crois qu'ils ont des places assises réservées, il y en a, ils se gênent pas pour les prendre et dire, ah bah non, bah, la carrière, c'est debout. Non, mais ça m'est déjà vu. Ça m'est déjà vu. C'est assez quand même... Le manque de bol, ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai entendu ça, la personne âgée, elle a été voir la personne... Et l'autre, il s'est mangé deux gifles par la personne âgée. Alors, je continue. Tenir la porte de la boulangerie, c'est un exemple, à une femme enceinte flanquée avec deux enfants. Oui. Bah, elle est enceinte avec deux enfants, elle peut pas ouvrir. Donc, ça serait bien. Non, mais les gamins peuvent tenir la porte. Aussi. Sauf si la poignée de porte est trop haute. Oui, mais selon l'âge des gamins. Voilà. Si le gamin il a 7 ou 8 ans, il peut tenir une porte quand même. Ah, c'est clair. Ça serait quand même un peu poli quand même de la part d'une personne qui sortirait de la boulangerie de tenir la porte. Autre chose, remercier d'un signe de tête l'automobiliste qui nous cède le passage. Moi c'est ce que je fais tout le temps, moi personnellement. De la main. Moi c'est ce que je fais tout le temps, à chaque fois je fais un petit signe de la main, merci, et je dis merci en plus. Même moi quand c'est une personne que je suis en voiture. Et qui n'est pas forcément obligé de me laisser la priorité parce que je ne l'ai pas forcément. Et qui voit que il me fait un petit signe, l'air de dire bon, bah, allez-y. Et puis je le remercie en faisant un petit signe de la main. Alors, je parle aussi en tant que piéton, parce que je parle pas en tant qu'automobiliste, personnellement. Oui, donc, les règles s'adaptent aussi, s'appliquent aussi en étant automobiliste ou piéton, Tous, voilà. Alors, toujours dans la rue, s'assurer de ne pas boucher tout le trottoir. Oui. Bon, ça c'est un peu particulier, mais bon, ça c'est vraiment cas particulier, quoi. Lorsque l'on rencontre un ami dans la rue. Ouh. Ah oui, s'assurer de ne pas boucher tout le trottoir lorsque l'on rencontre un ami dans la rue. C'était pas tout à fait pareil. Je comprends mieux. C'est déjà un petit peu le plus logique de par rapport à la phrase. Oui, lorsque l'on rencontre un ami. C'est-à-dire ne pas, envahir le trottoir pour discuter avec un collègue, quoi. Voilà. Effectivement. Ouais, voilà. Garder son papier de bonbon dans sa poche plutôt que de le jeter par terre. Les papiers de bonbons, que ça soit les paquets de cigarettes ou que ça soit les papiers les prospectus, les trucs, les machins, normalement ça devrait. Pareil pour les chewing-gums, s'il vous plaît. Les bouteilles de plastique que je vois sans arrêt par terre, je vous raconte pas les pauvres agents d'entretien les le matin. D'alcool, ou les bouteilles, les canettes de bière. Et pour ceux qui ont des chiens, de ramasser le caca des chiens aussi, ça serait bien. Ah, ça, ça c'est pas dit, mais c'est oui, très ça, bien par dit contre, ça. Sur les trottoirs, oui, c'est un peu abusé. Ça, c'est très bien dit parce que ça ne s'est pas marqué et c'est vrai que là-dessus, je trouve ça hallucinant que de voir un gros caca. Et pour un petit rappel, c'est quand même punissable aussi, faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Et des bouteilles en plastique en pleine ligne des tramways sur les rails, franchement, bravo quoi. Il y a des gens encore comme ça qui existent. Je me demande comment ça se fait que c'est quand même hallucinant. Donc là, il y a aussi un dernier, c'est s'effacer pour faciliter le passage d'un piéton visiblement plus pressé. Non. Pas fort. Et bien, le mec, il a qu'à marcher doucement et tranquille. Bah, d'accord. Il a qu'à se décaler et puis. Forcément, je pense que c'est celui qui est plus pressé qui est quand même pas forcément dans le savoir-vivre. Parce que c'est. Pas du tout, même. Hein. Bon, c'est un exemple, mais bon, s'il y en a qui est pressé qui vous court dedans, faites attention de ne pas vous laisser faire non plus. Hein. Enfin, bon. Moi, je mets le pied en travers. Alors, le savoir-vivre en voiture maintenant. Alors là,
J'ai pas de voiture. Allons-y. J'ai pas de voiture, malheureusement, donc je suis pas. C'est klaxonné à tout va. Je suis. Ça c'est bien ça. Je brûle le feu rouge. Je prends le sens interdit. Non, pardon, excusez-moi, c'est évidemment, évidemment c'était de l'humour. Donc je téléphone au volant avec le kit main libre, oui, mais, ou avec le téléphone. Non, mais je vais vous dire pourquoi il y a une histoire de voiture, parce que malheureusement, et je pense que c'est toi Lionel, il y en a qui a donné un exemple tout à l'heure en disant, il y en a qui passe par exemple qui fait la priorité et qui a dit connard, pardon, excusez-moi. Ah oui, voilà, oui. C'est un petit peu l'exemple, oui, de savoir-vivre. Oui. C'est un exemple. Donc il est vrai qu'il est parfois difficile de se retenir devant la bêtise de certains qui se croient les maîtres du monde dès qu'ils sont au volant. Ah, ça me fait penser à quelqu'un personnellement. Ce sont ceux-là qui le plus. Non, tu vois pas? Non. Non, d'accord. Donc ce sont ceux-là qui refusent les priorités. Je crois que je vais redire la phrase parce que j'ai rien compris à ce que j'ai dit. Ce sont ceux-là qui le plus souvent refusent les priorités. Ça y est, je l'ai dit. Ouais. Qui occupent deux files pour ne pas être dépassés et semblent ignorer l'existence des clignotants. Colle la voiture de devant qui a comme unique tort de respecter les limitations de vitesse. N'est-ce pas? Se hâte de se garer par l'avant là où une malheureuse allait tenter pour la sixième fois de réussir son créneau. C'est comme l'autre hier. Jeter des ordures par la fenêtre aussi. Ouais, c'est comme l'autre, qui doublait par la droite parce que monsieur voulait sur l'autoroute Lionel hier. L'autre avec sa voiture. Je confirme. Ouais. Que t'as bloqué arrivé à l'entrée de Marseille, à l'arrivée de Marseille. Ah ben il a été content surtout. Mais jeter des ordures par la fenêtre. Ouf. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Ça crée des accidents. Plus, Après, ça dépend ce que tu jettes. Une bouteille de verre. Écoute, je jette ma bouteille de vin par la fenêtre à gauche, surtout sur l'autoroute, tu sais. Non, mais franchement. Tant que tu jettes pas un passager, ça va. Bon, qu'à plus, ça, tiens. Alors, chacun a sa méthode, mais le mieux est sans doute de contenir sa rage, n'est-ce pas Lionel, afin de ne pas s'abaisser soi-même en tant qu'activité. J'ai oublié de dire, il y a un autre exemple, c'est-à-dire finir d'injure si vous avez l'affront de les klaxonner. Non, alors moi je suis... je vais prendre ma défense maintenant. Oui. Je suis un chauffeur très assidu. Très nerveux. Non, pas nerveux. Où ce qui m'énerve, c'est par exemple, t'as un tronçon de route, on va dire que tu dois rouler à 80, et que t'as les personnes qui roulent à 50, 60. Ça a le don de m'énerver, et en plus, quand tu es dans l'incapacité de doubler ou quoi que ce soit, c'est encore plus chiant. Mmh. Ensuite, ce qui m'énerve, c'est les gens qui dorment, par exemple, devant un feu. Le feu, il est vert, mais on met 8 jours à passer. Mmh. Et toi qui es juste derrière, tu te morfles le rouge derrière. D'où certaines fois où je me suis amusé à avoir un bon rouge mandarine passé. Non, il est rare pour moi de griller des feux rouges, tout ça. Mm-hmm. Généralement, quand ça m'arrive, c'est parce que au moment où je passe, ça passe au rouge et puis c'est comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai un boulot de secouriste et que j'ai un véhicule qui me permet certaines choses. Alex est là pour en témoigner. Je me permets certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais je me permets quand même. C'est justifié. Justifié. Ah oui, c'est moi, c'est toujours justifié. Tu as pas insulté les gens gratuitement quand même. Je n'insulte jamais les gens. La seule fois où j'ai insulté une personne, mais la vitre était fermée, donc du coup j'ai gueulé pour rien, puisque j'ai gueulé dans la voiture plus qu'autre chose. C'est les mecs qui se permettent par exemple, de me faire une queue de poisson ou des trucs comme ça. C'est-à-dire de me couper une priorité, de me serrer alors qu'il n'y a pas lieu de me serrer. Enfin bref, voilà quoi. Ça, c'est le genre de choses qui m'agacent. Maintenant, le klaxon, je l'utilise plus ou moins. Mm-hmm. Le klaxon, ça peut être une forme aussi de... C'est agressif, le klaxon. Oui, c'est ça. Il y en a qui prennent ça comme une forme d'agression, effectivement. Mais moi, personnellement, je l'ai toujours... ça fait plus de 10 ans que j'ai le permis. J'ai toujours considéré le klaxon comme une agression, de toute façon. D'accord. J'estime que, normalement, t'es censé... dans ton véhicule, t'as un rétro à l'intérieur, t'as des rétros sur le côté. Donc, t'es censé avoir des yeux de partout. Donc, tu n'as pas lieu de te faire klaxonner.
à part si c'est fait exprès. Alors là, il y a des règles que je n'ai pas dedans, mais que j'ai en tête, je, alors, notamment sur les codes de la route. Donc, le portable à la main, s'il vous plaît. Hein, c'est, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, c'est amendable depuis le 1er janvier 2015. Oui, alors ce qui est amendable, c'est pas uniquement le portable, mais également les kits manure. Hein. Oui, c'est amendable. Tout ce qui est oreillette, portable, même quand le portable est sur son socle et que tu le fais... la moindre communication avec ton portable, même si tu ne l'es pas en main ni en oreillette, est punissable maintenant. Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui fume en conduisant? Alors moi personnellement, je vois pas où est le danger. Mm-hmm. Mis à part pour ceux qui fument pas dans la voiture. On s'en fout, c'est ça que vous voulez dire. Et s'il y a un passager? Ah bah, s'il y a du passager... Après, si le passager ne fume pas, c'est un peu emmerdant. Je le conçois. Ou alors, le minimum, c'est que tu ouvres ta fenêtre, et puis voilà, quoi. Je veux dire, un minimum, quand même, de... Tu ouvres un minimum ta fenêtre, et puis tu... Voilà. Ou au pire, tu demandes quand même à la personne, même si c'est ta voiture, tu lui demandes si ça la dérange ou pas, quoi. Voilà. Alors maintenant, en parlant du passager, un passager trop bavard? Non. Est-ce que ça peut déranger? Oui, ça peut déranger la concentration du conducteur. Moi, je sais pas, le mien, il arrête pas de dormir. Alors... Mais si tu avais un passager qui est trop bavard avec toi pendant que tu conduis, ça déconcentre le conducteur. Du moment où, si c'est une discussion qu'on a, qui est sérieuse et tout, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais par contre, si c'est pour se déblatérer des âneries ou des trucs comme ça, ça a tendance à me gonfler sérieusement. D'accord. Et la musique? La musique, non, j'adore. Par contre, il me faut de la musique. la musique, ça adoucit les mœurs, c'est ce qu'on dit, mais... Oui, ça peut éviter Attends, parce que je crois que Cédric est de retour, si je l'entends bien. Oui. Cédric? Oui. Ah, vas-y, on te laisse la parole, tu veux dire quelque chose? Oui, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, Lionel. Parce que vraiment, quelqu'un qui parlerait, pour moi, c'est pas gênant. Si quelqu'un te parle, c'est comme la musique, tu mets la radio et que ça te gêne pas... Excuse-moi, mais là, c'est un peu... Oui, mais si c'est pour que ton passager te sorte des conneries... j'en vois pas l'intérêt de discuter, quoi. Ce qui doit être encore plus pénible, c'est quelqu'un qui est bavard pendant que tu fais ton créneau aussi. Oui, alors ça, moi, par contre, il y a un truc, et je le dis à tous ceux qui monteront définitivement avec moi, ou ceux qui sont déjà montés avec moi, généralement le savent, c'est quand je fais des manœuvres ou des trucs comme ça, et que je sais que je vais galérer, c'est surtout faut se taire. Faut rien me dire. Parce que sinon, je monte en pression. Tu crois que j'ai dit ça au hasard, Lionel? Ah ouais, ça me sort des yeux. Ah, mais moi, je vais te parler juste de parler. Hein. Oui. C'est pas question d'aller plus loin. Après, moi, si la personne parle, juste courtoisie, après, tu peux parler. Mais après, ah oui, mais s'il y a des sujets si c'est discuté sur des sujets de discussion sérieux, des trucs, bon voilà, oui, ok. Mais si c'est pour dire je sais pas, des broutilles, des conneries qui ont aucun intérêt, quoi. Je veux dire, j'en vois pas l'utilité, quoi. Oh, je me suis encore engueulé, homme. Parce que je peux pas conduire et faire psy en même temps, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible du tout, non. Ou c'est quand t'es en train de faire une manœuvre et puis que la personne, elle te dit à côté de toi, ah mais non, tu devrais contrebraquer et puis oui, et qui te donne des leçons. C'est ceux qui savent mieux conduire que toi, alors qu'ils n'ont pas le permis, ça c'est chouette. C'est ça, c'est un petit peu ça. Ça j'adore, ça. Ou alors c'est comme t'as la personne qui est passagère à côté de toi et tu lui parles. Hein, tu dis parle de choses sérieuses, hein, et t'as aucune réponse. Et quand t'as le malheur de tourner le regard, la personne dort. Ah, quelle horreur! C'est agréable. Ah, c'est horrible. J'en ai un, c'est tip top. Hein. Je fais 3 mètres avec la voiture, il dort. Moi je sais. Ma mère, elle a conduit, je me rappelle, ma mère a conduit à Paris. Elle connaît pas Paris. Donc moi je suis à côté d'elle. Donc moi quand je connais bien Paris plus qu'elle, bon, c'est sûr qu'en route, tout ça. Donc, m'appelle comme ça, elle dit, ouais, toi, t'es GPS intégré. Bah oui, moi, j'ai un GPS, mais bon, moi, je suis pas vraiment GPS. Mais bon, moi, je parle toi gentiment avec ma mère, ça s'arrête là. Après, voilà. Mais après, moi, je suis conscient que, par exemple, avec mon compagnon, que je reste tout le temps éveillé, parce qu'il faut que je le laisse, pour que je parle avec lui, pour qu'il reste éveillé pendant la nuit. Pour qu'il conduise à la nuit. Ça, moi, j'en ai un aussi, qui connaît bien Valence.
hein, ouais. Parce qu'il y a vécu pendant pas mal de temps. Et quand t'es en voiture et tout, il te dit, bah tiens, passe par là, ça va plus vite. Et en fin de compte, le chemin qu'il te fait prendre, déjà, il sait même pas où il va. Et en plus, il te rallonge de 3 km. Donc tu te dis, t'es sûr que t'as vécu ici parce que ça me paraît bizarre. Et j'ai toi fait... qui connais pas, tu connais encore mieux la route que j'ai, lui. Tu sais. J'ai fait la même erreur à Bordeaux quand on a voulu aller dans le truc essence. Voilà, j'ai... Mais je l'ai pas fait exprès parce que franchement, on voyait pas. C'était très difficile sur les quais à Bordeaux. Après, t'as la visibilité. Il y a certaines choses, tu sais pas comment ça se produit et tout. Parce que quand t'es piéton, c'est une chose. Quand tu vois les choses d'une manière, quand t'es conducteur, tu vois différemment. Oui, c'est ça. Tu peux pas te permettre de faire certaines choses que quand t'es piéton, par exemple. C'est clair. Et moi, de toute façon, comme moi, j'ai pas encore eu mon permis et je vais peut-être bientôt le passer, parce que pour l'instant, moi, je suis en conduite supervisée. Pour l'instant, moi, quand je reste concentré, tout ça. Après, il peut me parler mon copain, il n'y a pas de souci. Mais moi, je reste concentré. Oui. Cédric, le prends pas mal, hein. Le jour où t'as ton permis. Oui. Je crois qu'il a coupé, non? Ouais. Il y a un blanc. Cédric, t'es toujours là, s'il te plaît? Cédric a eu un problème. Alors, vous savez qu'il est sur un téléphone. Oui. C'est plus rien. Ah. Ouh, ce bruit. Ouh, ça fait un bon prout. Bon, je voulais juste poser la question le temps que Cédric résout son problème technique. Est-ce que une dernière question sur la voiture, qu'est-ce que vous en pensez de faire l'amour dans une voiture? Oh, c'est tip top. On voit les connaisseurs là apparemment. Hein. est-ce que pour vous c'est un manque de respect quelque part? Disons que voilà, c'est je trouve que c'est le genre de truc. On est dans un petit coin de campagne. Tu vas pas faire ça en pleine ville, hein, faut pas déconner non plus. Non plus. Mais tu te mets dans un petit coin, t'es avec ton compagnon dans un petit espace bien réduit. Je trouve que ça fait vachement très. C'est romantique, ça peut être. Vous trouvez ça romantique de faire l'amour dans une voiture? Moi personnellement, je trouve pas ça très romantique. Ça dépend de l'endroit. Mais je trouve que ça fait très ça fait un peu cavalier et un petit peu comment dire, je sais pas, mais ça fait un peu bizarre quand même. Alors, je vous pose cette question parce qu'on est en pleine Saint-Valentin, vous le savez, hein, donc je vous pose cette question aujourd'hui en disant est-ce que vous recommanderiez à faire ça dans une voiture? On est en pleine Saint-Valentin, allez-y, faites-vous plaisir. Toi, est-ce que tu... Moi personnellement, après les gens ils font ce qu'ils veulent, moi je le recommanderais pas, mais bon, après voilà. Après ça dépend le confort, ça dépend Est-ce que pour une Saint-Valentin ça vaut le coup de faire dans une voiture? Non, pas. Non, enfin, tu peux le faire toute l'année, donc t'as pas besoin de la Saint-Valentin pour ça, quoi. Ouais. C'était une question que je posais, hein. Eh ben, t'as la réponse. Voilà. J'ai suivi, moi, donc, Max, il est intéressé quand je parle d'amour, vous savez, Max qui est de retour d'un coup, vous savez, est-ce que tu t'as... Ah oui, on était en repas, et donc, du coup, j'ai dit au revoir, et j'étais pas là. Si vous entendez les personnes, c'est pas moi, c'est le voisin. Je posais la question, si faire l'amour dans une voiture, tu recommanderais? Ah oui, j'aimerais bien tester, moi. Même si j'ai déjà fait avec des plans de cul. Pardon, j'ai rien entendu. Et toi, Cédric, tu recommandes ou pas? Après, négatif. Moi, je vois pas l'utilité. C'est quoi, c'est ton côté pudique ou ton côté que t'aimes pas? C'est pas côté pudique, c'est pas mon truc, c'est tout. D'accord. Vas-y, Cédric. Merci de couper la parole. Et ça, c'est le savoir vivre. Là, tu te coupes la parole. C'est vraiment bien le savoir vivre. Ça, c'est bien ça. C'est génial. Cédric, vas-y. Donc je disais, donc non, c'est pas un côté pudique tout ça, non, c'est pas mon trip, voilà. Ok, bon, comme ça tout le monde a sa réponse. Moi personnellement je l'ai fait et ça me plaît pas du tout. Moi si mon partenaire me demande, je dis pas non. Moi aussi. Ça me plaît pas, mais parce que d'abord t'es pas à l'aise. Même là, voilà, après ça dépend. D'abord, t'es pas à l'aise, en plus c'est public. Faut pas oublier que faire l'amour dans une voiture, ça reste dans un domaine public. On n'est pas en intimité. Et troisièmement, oui, parce que je parle de respect d'autrui quelque part aussi. Hein. Et troisième point, oui, c'est pas confortable, c'est public, donc ça manque de respect au public aussi. Qu'est-ce que tu penses si tu conduis, par exemple, et que ton partenaire ou ta partenaire te propose quelque chose de très enjoué pour toi, hein, parce que voilà, parce que t'es en train de conduire, donc tu peux pas tout faire. Quoi encore? Et puis quoi encore? Une petite.
encore jusqu'à. Non, mais non, je pense pas. Ah. Moi, je peux, parce que la voiture est faite pour. Vous imaginez, vous êtes en pleine action, toc toc, c'est la police. Ah oui, d'accord, oui, vas-y, attends, laissez-moi finir d'abord, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là? Ah bah écoutez, vous voulez un dessin, s'il vous plaît? Vous voulez qu'on vous montre? Moi, je dirais carrément, vous invitez la porte. Tu inviterais, toi? Ah le... oui, carrément. Non, mais ça va pas. Hein. S'il est beau, oui. Et puis quoi encore? Non, mais ça va. Non, c'est un policier bien. Ah, mais c'est sûr. Et t'imagines si le flic il te dit ah ben je veux bien. Bah, et, ah, bah, alors dans ce cas avec les menottes et avec les et avec le et ah des... ben bah, tant qu'à faire oui. Et avec tant qu'à faire oui. Et avec le la matraque. Et avec la matraque alors. Ah non, pas matraque, ça fait mal. Hein, ensuite dans les lieux publics et dans les transports, ça revient un petit peu à tout à l'heure ce qu'on a dit, mais je vais être un petit peu, je vais être un peu plus complet. Le savoir-vivre est souvent la réponse au bon déroulement des scènes quotidiennes qui rassemblent plusieurs personnes, notamment dans les lieux publics et les transports en commun. Premier point, la première des politesses consiste à dire bonjour, on revient encore, en entrant chez un commerçant et, ou dans une salle d'attente. Oui, ça, oui. Deuxième point, savoir rester calme face à la nonchalance excessive du guichetier tout en attendant son tour dans la file. Dites-vous que ce n'est qu'un moment difficile à passer. Ah, ça, je ne peux pas. Troisième point, penser aux personnes qui sont derrière soi en agissant vite. Donc, régler ses achats avant de terminer et de les emballer, par exemple, pour libérer la place. Quatrième point, parler à voix basse si l'on est à deux pour ne pas briser le calme qui doit régner dans une salle d'attente. Dans une salle d'attente, je parle cette fois, dans les lieux publics, hein. Comme chez les médecins, par exemple, c'est un peu la même chose. Ou sinon, ouais, c'est comme même dans la CAF. Hein, t'es dans la salle d'attente et puis t'attends. T'as un téléphone qui téléphone. T'as l'impression que la personne t'as le téléphone qui sonne et puis en fin de compte t'as l'impression qu'elles sont côte à côte. Alors Émilie, dans ce cas je vais quand même inverser le savoir vivre là dessus vous allez voir, je vais l'inverser un petit peu. On te donne un rendez-vous, peu importe la CAF, tout ce que vous voulez, 15h. On vous prend à 16h. Ah ouais, non, ben là, moi, c'est mort. J'attends un quart d'heure. J'attends un quart d'heure. Hein. Il faut rester calme, tout ça, là-dessus, pour ça. Ah non. je l'attrape et je lui dis, oh, tu m'avais dit 15h. Donc, ah, ben, moi, c'est non, comme... parce que l'exactitude et la politesse des rois... C'est ce que j'ai dit la dernière fois à mon psy. Je vais vous dire pourquoi. L'exactitude et la politesse des rois dans les deux sens. C'est comme la c'est-à-dire... dernière fois, j'avais un rendez-vous à Pôle emploi. Ah oh ben... à Pôle emploi. J'avais rendez-vous, je crois que c'était 14h30, et je voyais l'heure qui tournait. Mmh. Ah bon, allez, 14h37. C'est précis, il y a donc. 14h37, je vais voir la personne, je fais. Et l'heure, ça, c'est quoi? Ah bah désolé, là, on entretient qui n'est oui, pas non. Fini. Alors... Bah, je suis désolé, bah non, vous me redonnez un autre rendez-vous, mais sinon vous allez vous faire c'est voir. Pour ça que j'inverse un petit peu le sujet du savoir-vivre, parce que nous, il faut qu'on ait du savoir-vivre, mais pense les administrations aussi. Parce que, et les médecins, même chose, quand on te donne rendez-vous et qu'on te prend une demi-heure, voire trois quarts d'heure après, c'est pas mieux. La CAF, c'est pas mieux. Voilà, toutes les administrations qui te donnent un rendez-vous précis et qui te prennent, on va dire, 30, voire même une heure après. Ah ben moi, j'ai l'ophtalmo, j'y vais là le 26 d'ailleurs. Je la connais, ça fait des années qu'elle me suit. J'ai rendez-vous à 18h chez elle. Je sais qu'avant 19h30, je serais pas passé. Mm-hmm. Parce que je sais qu'elle a toujours du retard, celle-là. Donc je prévois toujours quelque chose à manger ou à lire chez elle parce que je suis allé en 2011, j'ai attendu presque 2 heures, pour passer. Et à la fin, j'avais tellement marre que je dis aux gens, peut-être moi, si on continue, on va se chercher les saucisses et le barbecue, on va se faire un barbecue sur la salle d'attente. Mm-hmm. Donc c'est vrai que même mon médecin est toujours en retard. Moi aussi d'ailleurs, je suis souvent en retard, mais bon. Mon médecin, je lui dis pas parce que je m'en fous. Mais c'est vrai que... Ah mais c'est comme mon psy, moi souvent il est en retard au bout de... Un jour, je me rappelle que j'avais rendez-vous chez mon psy, il avait... Au bout d'une heure, j'étais toujours pas passé. Et au moment où j'allais m'en aller, il arrivait. Il me fait, ben vous faites quoi? Ben je lui fais, je m'en vais, ça fait une heure que je vous attends. D'accord. Vous rêvez ou quoi? Alors, une demi-heure de séance, vous croyez que je vais pas rôter une heure? Là, on va pouvoir faire un petit coup de gueule aussi au passage sur le prochain point que je vais vous dire. Et on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais pas tout à fait sur ça. C'est qu'il faut savoir céder son tour au profit d'une personne âgée, d'une femme enceinte ou accompagnée de jeunes enfants. Dans les supermarchés...
Ouais, il y a des limites, il y a du foutage bon, y a des, par là. Il y a des certains supermarchés, bon, il y a des places prioritaires, mais quand c'est ferme, quand les guichets sont fermés, souvent les gens, malheureusement, les gens ne laissent pas passer en disant, bah, écoutez, non, c'est ma place, tout machin. Non, bah non, quand, il faut même dans les transports. Non, bah, c'est pareil. Dans les transports, c'est pareil. Et malheureusement, il y en a plein qui ne respectent pas ces règles. Mmh. C'est vrai. Et notamment C'est les premiers à gueuler et après c'est les premiers à gueuler parce que on fait l'inverse. On fait la même chose. Alors sur les jeunes enfants, je suis moins d'accord. Par contre sur les femmes enceintes et les personnes âgées, je suis totalement pour ça. Par contre les personnes avec les jeunes enfants, je peux vous dire que vous allez derrière la file et vous allez passer deux heures après alors hein, parce que avec des enfants, surtout le samedi, n'y allez pas le samedi dans ce cas où on court ça. Non, c'est clair. Je vous laisse. Mais Lionel, on te remercie. Ben, merci à vous, je vous fais à tous de gros bisous. Mais encore une très bonne Saint-Valentin à tous. Oui. Et à toutes, pour ceux qui nous écoutent. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Eh bien, bisous. On te dit week-end prochain dans ce cas. Ben voilà. Bisous. Merci. Alors, on continue. Là, dans les transports, je vais faire point par point des détails qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Dans les transports, il ne faut pas s'étaler ni mettre ses pieds sur les banquettes. Nous sommes d'accord. Il faut avancer au maximum dans le bus pour répartir le flux des passagers. Alors là, dans les tramways, c'est pas le cas. Hein. Ah non, mais dans le tramway, alors, c'est je me. C'est tout au milieu, mais. Je me mets, ouais, non, mais. Tout sur les portes et rien au milieu. Il y a rien qui. Alors dans les tramways à Bordeaux, je veux dire que quand je vois ça, c'est une catastrophe. Ouais. Ben c'est hier en revenant de la gare là, en reprenant le tramway. Je vais te dire que je me suis mis à gueuler parce que ils se mettaient avec les valises et tout ça, ils étaient en plein milieu au niveau des portes et il n'y en a pas un qui s'est allé. Oh, je suis arrivé là-dedans, j'ai fait purée, vous n'avez pas vous déplacé, il y a de la place un peu partout là. En plus, avec vos valises qui gênent. Alors, ne pas stationner devant les accès à moins de les dégager à chaque station. Bon, c'est ce qui est dit. Oui, et après, ça dépend comment on sait. Et comme pour les lieux publics, comme tout lieu public, il faut céder sa place à une personne âgée, une personne enceinte. Ça, c'est très important. Concernant autre savoir-vie sur le téléphone et le téléphone portable, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la voiture. Là, on va parler à titre général. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour le téléphone? C'est quand, par exemple, dans les transports, tout le monde n'est pas obligé d'écouter, de savoir ce que tu lui racontes à l'autre personne que tu as au bout du fil. On n'est pas obligé de savoir. Alors, ceux qui hurlent, qui parlent même pas dans le téléphone, mais qui hurlent, c'est stupide. À ce compte-là, c'est comme si tu avais la perte. C'est comme dans les salles d'attente, les trucs. Alors, je vais vous évoquer le sujet, vous allez dire ce que vous en pensez. Donc, le téléphone qui tient une très grande place dans notre mode de vie moderne et remplace souvent les rapports de visu. Ouais. La distance, pourtant, n'efface pas les bonnes manières, bien au contraire, car appeler quelqu'un, c'est souvent le déranger, le surprendre ou l'interrompre. Ouais. Pour cette raison, on ne laisse pas sonner le téléphone au-delà de 8 coups. 8 coups, quand même, hein. Parce que c'est vrai qu'au bout de 8 coups. Au bout de... Un peu plus, au bout de 8 sonneries, c'est pas la peine d'insister, quoi. Un peu plus à la campagne si la maison est grande, quand même. Et on veille à respecter les horaires de la vie privée. Ouais. Je vais expliquer. À moins de connaître. Après 19h. Donc, c'est-à-dire, à moins de connaître expressément l'emploi du temps de ses interlocuteurs et en cas de force majeure, bien sûr, quand il y a des. Sauf cas de grave problème. Ouais. Est-ce que vous savez entre combien et combien, entre quelle heure et quelle heure, il faut téléphoner pour faire un bon savoir-vivre au niveau téléphone? Combien? C'est 10h. Moi, je pense qu'il ne faut pas dépasser 22h. C'est presque ça. C'est je presque crois ça. Que c'est entre 10h et 21h30. C'est presque ça aussi. C'est 22h30. C'est 9h du matin et 21h30 le soir. Ah ouais. Au-delà, vous êtes au-delà du savoir-vivre. Sauf cas de force majeure et sauf, bien sûr, s'il y a un gros coup de grave. Après, c'est à toi de les appliquer, ces règles-là. Pour pas être sûr. Moi, je dirais bien carrément 21h, comme ça. Vous avez le film, votre truc tranquille le soir, comme The Voice ce soir à 21h. Moi, normalement, 20h30, je réponds. Non, ça fait un peu trop juste, je pense, 20h30. Moi, je 20h30, pense que je reviens un peu comme Sandy. Je pense que 21h, ce serait plus abordable. Si 21h30, 21h30, tu perds tes 30 minutes de départ pour ton petit prime, ouais. Ta petite soirée. Oui, c'est vrai que 21h, moi, si au-delà de 21h, ouais, c'est vrai que après c'est qu'il y a un risque que ça soit grave.
Et si jamais on vous embête, vous savez comment vous mettez en silencieux vos portables et vos fixes. Au moins vous êtes tranquille. Alors, il faut éviter aussi, bien sûr, si possible, d'appeler pendant les repas. Pendant les heures de repas. Donc en général, le midi, on va dire midi 14, et le soir, c'est 19h-20h, quoi. En général. Ouais, 19h-20h, ouais. Il est donc nécessaire, après avoir salué et s'être présenté, de s'assurer que l'on ne dérange pas et que le moment est opportun pour parler. Donc quand on est au téléphone, il faut s'excuser, excuse-moi de te déranger par exemple, est-ce que je te dérange pas? Voilà, ça, c'est ouais, une formule 14, de politesse. 14-19, c'est le... Non, c'est pas ça, c'est pas une histoire d'heure maintenant, nous sommes plus dans les heures là. Là je te parle de politesse. C'est une histoire de politesse. Quand tu attends un interlocuteur, tu dis excuse-moi de te déranger, j'espère ne pas te déranger. Voilà, ça serait la moindre des choses au départ au téléphone. Bah tiens, devant quelqu'un qui arrive bien à faire la politesse. Oui. Bah c'est moi, exemple, voilà. Pourquoi tu dis ça? Oh tiens, ça me ressemble moi ça. Ah bon? Ah c'est pas bien ça, il faut être un peu poli on va dire par contre. Bah si, ça ressemble ça le truc poli. D'accord. C'est pas ça que je voulais dire, tu m'as mal compris. Hein. Non, j'ai à moitié compris avec la tourterelle à côté. D'accord, non, je disais que les phrases que t'as dit, c'est à peu près moi. C'est le contraire. Je suis poli. D'accord, c'est ce que je viens de dire, ça te ressemble. Voilà, ça me ressemble. D'accord, pas de souci. Alors, il faut saluer, il faut se présenter, bien sûr, il faut dire qui est-ce, il faut pas dire salut, tu vas bien? C'est qui à l'appareil? Ça serait bien de se présenter, de dire oui, c'est un tel qui est au téléphone au départ, au démarrage du téléphone, ça serait bien de le dire. C'est pas parce que vous avez un répertoire avec tout ça qu'il faut pas se présenter et être mal poli au départ. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Le haut-parleur ne s'utilise qu'exceptionnellement. Là. Comme ton cas, Cédric, c'est le haut-parleur ne s'utilise qu'exceptionnellement lorsque plusieurs personnes doivent suivre la conversation et que c'est entendu avec le correspondant. L'attitude de certains qui ne peuvent s'en passer pour téléphoner est déplorable, car en plus d'être tout simplement désagréable, elle peut mettre très mal à l'aise le correspondant qui ignore s'il est écouté par une ou plusieurs personnes. Ouais, bah oui. C'est très important à le dire. Ah bon. Là, nous sommes sur le téléphone en général, notamment sur les fixes. Alors là, on va arriver sur les téléphones portables maintenant. Là, c'est encore plus compliqué. Le téléphone portable qui envahit, par rapport aux enfants, les cartables et les sacs à main pour les femmes aussi, même chez les hommes, dans tout ce que vous voulez. Hein. Donc, au point de devenir indispensable pour beaucoup. C'est le cas. Max, c'est ton cas, c'est ça? Ah ben moi, je l'ai 7 sur 7, 24 sur 24. 7 sur 7 est une émission. Hein. Joindre et être joint à tout moment et en tout lieu est très pratique. Il est vrai, mais cela ne doit pas pour autant gêner les personnes qui nous entourent. J'aurais à dire quelque chose pour les téléphones portables. Ça sera un petit truc personnel que j'aurais à dire. Avec le téléphone portable, sont nés beaucoup d'attitudes désagréables qui le relèvent pour la plupart du sans-gêne et d'une forme d'exhibitionnisme. Ça, c'est clair pour les sans-gêne. J'aurais deux choses à dire. En voici quelques-uns. Je vais vous donner des exemples. Premier point, la grossièreté grossièreté de continuer sa conversation tout en payant un article dans un magasin, par exemple. Apparemment, Max, c'est du vécu, c'est ça? Oui, moi, je l'ai déjà fait une fois. Et c'est pas bien. Mais tant pis. J'avais pas raccroché pour le rappeler. Non, mais c'est pas bien. En plus, ça freine les... Imagine quand je suis en train de faire les courses et qu'on est au téléphone, alors c'est pareil. Ça m'est déjà arrivé de faire les courses tout en étant au téléphone en même temps. Je mettais le kit main libre et je faisais mes courses en même temps que je discutais. Et je payais aussi. J'ai pas de téléphone à la main, mais j'avais le kit. Deuxième exemple, l'impudeur de faire participer à une conversation privée, souvent d'une désespérante platitude, des personnes qui ne l'ont pas choisi et qui peuvent se le ressentir comme une agression dans un train, par exemple. Ah oui, dans les trains, dans les dans les bus. C'est un petit peu ça. Alors, les tramways. C'est ça que je voulais dire quelque chose. C'est souvent dans le tramway, parce que dans les trains, ça va, c'est rare dans les trains. C'est quand même assez poli. En plus, il y a des espaces réservés pour ça. J'ai vu hier dans le train. Il y a quand même des espaces réservés pour les portables dans les trains maintenant, donc il faut pas oublier. En revanche, dans le tramway. Je reviens encore sur les tramways à Bordeaux, parce que franchement, quand je vois ça, t'as quelqu'un qui est au téléphone, mais en plus qui hurle, qui parle fort. Ah, c'est ce que je te disais. T'as l'impression qu'elles sont deux côte à côte. C'est-à-dire que, ouais, salut, comment tu vas? Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de... déjà qu'entendre la conversation privée, c'est déjà gênant, mais en plus qu'on entend au moins à un kilomètre pendant tout le tramway, c'est-à-dire devant le tramway, on entend ce qu'il y a derrière le tramway, quoi. C'est quand même hallucinant, mais il faut arrêter, quoi. Mais il y en a...
Ouais, salut, comment tu vas? Non, mais c'est bon, on s'en fout, égale, ferme-la, t'as pas besoin de gueuler pour téléphoner, hein, franchement. Et ça m'énerve, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je sais pas si vous avez vécu ça aussi. C'est chiant. Donc voilà. C'est vrai que c'est chiant. Donc aussi, c'est du vécu, apparemment. Alors, troisième exemple, la manie de téléphoner pour téléphoner. Ah, t'es souris. Ben, la manie, c'est quelqu'un qui, en gros, se passe pas de téléphoner, quoi. Ah, moi, c'est moi. Ah, ben d'accord. Oui, mais en privé, j'espère. C'est-à-dire en privé. Ben, si c'est en privé, on s'en fout, mais si c'est en public. Ah, ben moi, je téléphone en privé, en public, mais on m'entend, enfin. J'utilise le téléphone, bon ben, dans la rue, dans le bus, ça m'arrive, même au boulot. Hein. Je suis content parce que j'ai un exemple type du contraire du savoir-vivre avec nous en direct. J'adore, je suis content d'avoir... Ouais, ça m'arrive d'être... ouais, c'est vrai que dans la journée, je... Même dans les WC. Ah oui, mais là c'est grave quand même, tu veux pas dormir avec et téléphoner avec en dormant aussi. J'ai toujours mon téléphone à côté de moi, il ne me quitte pas. Ah non, mais quitte pas, c'est pas un problème, c'est pas Jacques Brel ton téléphone au moins. Mais on sait jamais, non, mais là, il pourrit, mais non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu l'aies tout le temps sur toi, c'est pas un problème, mais que tu téléphones tout le temps à côté, en général dans les WC, tout ça, c'est quand même c'est le fait de téléphoner, c'est ce que je veux dire. Ah oui, non, mais oui, voilà. Tout le temps. Non, c'est pas le cas. Dans tout le temps, quand même pas. Ah bah voilà, donc ça va, t'es pas dans ce stade, c'est déjà bien. L'indélicatesse aussi de laisser son téléphone en marche dans des endroits où c'est expressément interdit, comme au cinéma, on l'a dit tout à l'heure. La plupart des téléphones n'ont-ils pas une fonction vibreur? Si, maintenant ils ont même la fonction avion. Par contre, je vous raconte pas si on le met en fonction vibreur en train de regarder un film spécial, tu le mets en dessous de toi, il y en a qui vont dire bip. ça doit être bizarre en spécial, en vibreur en plein cinéma, je vous le dis. Hein. Il y en a qui doivent se poser des questions, je suis en train de donner des idées pour la Saint-Valentin, je suis mal barré là. je suis mal barré là à ce niveau. Donc la base de la courtoisie est d'adresser des excuses lorsqu'on reçoit un appel et d'abréger une conversation susceptible de déranger. Savoir éteindre son téléphone dans certaines circonstances ou le mettre en position vibreur est une preuve de maturité que tous les utilisateurs n'ont pas encore acquise. De même, les services d'envoi de messages écrits ou d'emails qui tendent à se développer sont la réponse à bien des tracas et des discussions inutiles et ont par ailleurs le mérite d'aller à l'essentiel. C'est une chose, une petite... Mais il y a aussi une autre solution. Oui. Ceux qui sont possesseurs de l'iPhone, oui. Il y a aussi maintenant, il y a un truc qui s'appelle ne pas déranger. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Un message, voilà. Ne pas déranger, ça t'emmène directement sur ta voiture. Ou alors le mode avion. Ouais. Pour ceux qui... Non, mais quand tu mets ne pas déranger quand tu es en mode normal, logiquement... Oui, mais en mode avion aussi, hein. Mode avion, ça marche. Ouais, oui, mais le mode avion, déjà, ne pas déranger quand tu mets en machin manuel, logiquement, tu n'entends même plus ton machin vibrer, tu n'as rien du tout. C'est neutre. En revanche, si tu mets le machin avion, comme tu dis, là, c'est carrément, tu n'as plus le réseau, tu n'as plus rien. Tant mieux. Oui. Nous, l'iPhone, on a l'avantage du mode, ce qu'il disait, on a le mode qu'on peut régler de telle heure à telle heure. Ce mode s'activera et on ne sera pas dérangé. Sauf, chers amis, tout le monde n'a pas d'iPhone. Ouais. Non, mais là, c'était juste pour ceux qui sont possesseurs de iPhone. Voilà. Après, il y a certains, peut-être Android ou je sais pas quoi. Moi, c'est un Android. Ils ont peut-être une fonction. Peut-être. Moi, j'ai la fonction. Mais attention, attention, c'est pas une histoire d'Android. C'est selon la marque. Oui, c'est pas selon Android les serveurs, c'est pas selon les serveurs, c'est selon la marque. C'est-à-dire Samsung a son propre truc, Siemens a son propre truc, Nokia a son propre truc. J'ai donné des exemples, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, on aura fait. Qui n'existe plus, c'est pas grave. Non, mais j'ai fait exprès, mais c'est pas grave pour pas dire des marques. Voilà, chaque marque de téléphone a son propre. Après, ça dépend aussi si t'es chez quel opérateur, parce que après, il y a. C'est pas une histoire d'SFR. Non, c'est une selon les opérateurs, ça peut être... Si, il y a des astuces, parce que des fois, t'as des applications. Oui, c'est les vitres. Pour Android, t'as des applications exprès pour marquer ne pas déranger. Ouais. Oui. T'as une application qui, ça dépend sur quel opérateur. Par exemple, si t'es chez Bouygues, il y a une application qui s'appelle, Appel Me. C'est-à-dire que, logiquement, il y a une fonction marquée ne pas déranger. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui sont possesseurs Android. Donc, toi, il y a beaucoup de solutions. Après, je ne sais pas d'autres opérateurs, mais voilà.
Après, ouais, après, ça dépend des... Mais après, les logiciels sont faits, il y a des logiciels qui sont faits pour, hein, que ce soit iOS ou Android. Bienvenue chez les pubs, ça fait plaisir. Ah non, iOS c'est Apple et Android c'est... Ah bah voilà, Apple c'est une marque. Si j'ai deux, il faut faire attention aux marques. iOS, je ne sais pas qui c'est. Ok. Alors, autre point de vue, il y a 15 règles de savoir-vivre en affaires. Alors, il y a plusieurs domaines. On va peut-être en répéter certains qu'on a déjà dit ou d'autres qu'on va dire compléter. Mm-hmm. Dans les affaires. Donc, dans une entreprise, vous devez toujours saluer, donc c'est geste discret ou sourire, les personnes que vous croisez dans l'ascenseur, les bureaux et les couloirs, y compris à la cafétéria. Mm-hmm. Ah. Ça complète un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Deuxième règle, on est toujours dans les affaires, hein. Si le téléphone sonne dans le bureau de votre directeur, levez-vous et faites mine de partir. Ah bon ? Oui, ouais, parce que sa conversation ne te regarde pas. Peut-être, mais c'est plus. Oui, mais attends, c'est pareil. Mais si t'es dans c'est pas normal. Si t'es alors, dans le bureau d'accord. De la direction. Je suis pas d'accord dans ce cas. Parce que, si t'es dans le bureau du directeur et que son téléphone sonne. Et que toi, t'es un simple alors, employé, t'as cas, pas à rester dans le bureau. Alors, dans ce cas, dans les administrations aussi. Et chez les médecins aussi. Parce qu'il y a la confidentialité chez les médecins aussi. En gros, t'es nulle part. Je suis désolé. Chez les médecins, t'as la confidentialité des patients. Mmh. Mais c'est pour ça que maintenant, ils parlent. Ils en disent le moins possible pour éviter de parler des. Bah, je sais pas. Moi, je suis dans ce cas d'accord, mais dans ce cas, il faut que ça soit partout, pas que dans les entreprises. Oui. Parce que, comme j'ai dit, voilà, chez les médecins, il y a la confidentialité. Mais en gros, tu restes chez toi. Mais c'est pas ça. C'est que tu entends pas forcément la conversation, mais tu sans le faire exprès, tu entends les voix d'une personne. T'es quand même quoi à 200, à 3 centimètres de ton médecin. Tu entends un petit peu la personne qui. Oui, excusez-moi, j'ai besoin de. Tu entends un petit peu quoi. Et c'est gênant aussi. Donc là-dessus, si on a le savoir-vivre, il faut normalement effectivement pareil. Ça, c'est le premier point. Pareil pour les administrations. La CAF pour l'emploi, tout ça. La police aussi, hein, même chose. Hein, quand t'as des gens qui appellent la police, ça nous regarde pas, ces affaires. De toute façon, tout appel au niveau de la police, tout appel est enregistré. Alors, oui, mais ça ne nous regarde pas. Oui, les affaires des autres ne nous concernent pas et on est censé être en retrait. Ah, mais c'est pour ça qu'ils parlent maintenant le moins possible. Mmh. Ils disent oui, attendez, ne quittez pas, je vais vous passer la personne adaptée. Point. Mmh. C'est pour pas divulguer les affaires. Mais quand t'es dans un bureau, c'est un peu plus difficile. Je te parle pas de l'accueil, hein. Moi, je te parle du bureau. Hein. C'est beaucoup plus délicat, plus chaud. Bureau, hein. Oui, c'est la CAF, tu vois, t'as quelqu'un qui appelle la CAF, on entend tout. C'est ce qu'on voit en ce moment à la CAF. Il y a des gens qui appellent à la CAF parce que maintenant il y a des contacts téléphoniques. Tu dis bonjour et tout ça. On entend. Oui, vous savez, on entend le problème de la personne et tout. D'accord, ok, je vais voir. Faiblement, mais on l'entend quand même. C'est gênant. Moi, je suis désolé. C'est pas des plateformes en fait. C'est la CAF qui répond. Ouais. C'est la CAF qui répond. C'est pas une plateforme. C'est les personnes qui te reçoivent qui répondent au téléphone. Il faudrait qu'ils aient une plateforme dans leur bureau que de réponses. C'est ça. Alors, troisième point. Évitez l'aspect trop formel de la carte de visite en barrant votre nom et pour vous exprimer à la première personne, ajoutez une formule de politesse courte et signez celle-ci. On est toujours dans les affaires. Quatrième point. Un homme entre toujours avec avant une femme au restaurant. On l'a dit tout à l'heure. Cette règle n'étant pas toujours connue, vous pouvez toujours ajouter, selon l'interlocutrice, je me permets de vous précéder. Ça fait un peu gros, hein. Mesdames et messieurs, ça fait très très, vous savez, très très aristocrate. Soyez simple. Vous n'allez pas dans des formules de comme ça. Il ne faut pas être dans des formules un petit peu on n'est pas non plus au 18e siècle. Hein. L'aristocratie. Oui, et puis on n'est pas au 18e siècle non plus. Soyez simple et restez vous-même, et surtout restez poli. Ça, c'est très important. Au restaurant, cinquième règle. Au restaurant, faites remettre la carte à chacun avant d'accepter la vôtre. Le maître d'hôtel saura ainsi que vous prenez en charge l'addition. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Bon, ça, je ne savais pas. Oui. Mais au moins ça permet au maître d'hôtel ou au serveur de calculer qui c'est qui paye. Ouais. Comme ça eux ils savent très bien qui. Donc pour ceux qui sont des resto ce soir spécial Saint-Valentin, vous savez comment vous y prendre. Sixième règle, ne vous lancez pas dans une lecture approfondie de la carte. On est un petit peu dans les restaurants encore. Mais faites rapidement votre choix et surtout ne souhaitez jamais bon appétit. Alors ça me surprend. Ne pas souhaiter bon appétit à table, au restaurant. Normalement, oui, ça se fait pas. Oui, normalement, serveur ne dit pas bon appétit. Non, c'est nous.
Pas bah, le serveur. Oui. C'est, moi, non, mais tu dis pas son serveur, mais tu, la personne que t'as en face, tu dis oui. De pas dire bon appétit. Ah, c'est plutôt le contraire. Faut avoir un bon savoir-vivre de ouais, dire. Ça fait trop. Et moi, la carte, j'ai mis 3 heures à la lire. J'ai mis 3 heures à la lire à chaque fois. Donc, C'est bizarre. Ben on verra ça demain. C'est bizarre, oui, parce que demain on va à la pâtisserie, donc on verra. Septième règle, si vous êtes, on pouvait pas tout faire aujourd'hui, c'était pas possible. Septième règle, si vous êtes une femme et que vous invitez un homme, celui-ci doit systématiquement proposer par courtoisie de régler l'addition. Vous précisez alors que vous y tenez et que bien entendu c'est votre entreprise qui l'invite. Mmh. Ah oui. Mmh. Pourquoi pas? Ah bon? Oui, c'est bon à savoir. Bah, désolé, moi je me fais inviter, désolé, là-bas, si elle décide de m'inviter, désolé, bah, on fait la note, on la paye à deux, point barre. Oui, tout à fait, il y a ce truc. Oui, mais bon, quand tu invites une personne, tu vas pas régler à deux l'addition. Tu vas pas inviter une personne pour que la personne partage l'addition. C'est vrai. C'est idiot ce que tu dis. Ah bah alors à ce compte-là. Quand tu invites une personne. Non mais par rapport à une femme. Oui, mais justement, encore pire, c'est encore mieux. Femme, si c'est elle qui t'invite, c'est à toi de payer la note. Ou alors l'homme macho, bah, écoute, je t'invite et je laisse à la femme l'addition, tu sais. Le pire, c'est que ça arrive. En Italie, hein, c'est comme ça. Le pire, c'est que ça existe, ça. En Italie, ça, c'est comme ça. Ouais. Mais même en France, hein. Non. Ouais, si, ça existe. Il y en a, c'est parce qu'ils font semblant qu'ils ont plus de portefeuille sur eux. Ça, c'est déjà arrivé. Huitième règle, ouvrez la porte du taxi côté trottoir à la personne qui vous accompagne afin qu'elle puisse s'y engouffrer et contourner aussi le taxi pour vous y installer. Il est toujours désagréable de devoir enjamber la banquette. Bon, ouais. C'est une façon de voir. Oui, c'est tu fais rentrer la personne et toi, tu fais le tour pour rentrer. Neuvième règle, si vous vous habillez Friday wear, c'est-à-dire chic décontracté, mmh. Optez pour la version jeans impeccable et mocassin et non pantalon de velours râpé et vieille Nike. Ça, c'est normal, oui. C'est un petit peu de façon de dire. Bon, demain, je vais pas me mettre en costard cravate non plus. Hein. Trouée, oui, mais excuse-moi, je vais pas me mettre en costard cravate non plus demain. Il faut pas exagérer. Ou bon, une photo, c'est un costard cravate. Si vous êtes une femme, portez des robes plutôt que des tailleurs sombres ou à rayures. N'hésitez pas à assumer votre féminité. C'est le signe que vous vous positionnez en dehors de toute compétition. Ça peut être arrivé. Mais en tout cas, pour la bonne Saint-Valentin, vous savez, chères mesdames, quoi faire pour ce soir. Comment il faut vous habiller. Si vous sortez au restaurant. Oui. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vous flairent. Alors, 11 à un cocktail. Donc, ne monopolisez pas la parole plus de 5 minutes auprès des personnes en vue afin que les autres autour d'elles ne piaffent pas d'impatience et vous coupent la parole. Ouais. 12e règle. Présentez toujours une femme à un homme et de la personne la plus jeune à la plus âgée, on l'a dit tout à l'heure, sauf si elle est d'un rang hiérarchique supérieur. On l'a pas dit ça tout à l'heure. Ah bon? Oui. Bah, hiérarchique supérieur, t'es censé être en dessous, au niveau du savoir-vivre. T'es en dessous, au niveau hiérarchie. Oui. Ouais. C'est un peu compliqué, hein, mais il faut faire attention. Mais souvent, les règles... 13e règle, n'utilisez jamais la formule « enchanté ». Mais plutôt « bonjour monsieur, je suis ravi de faire votre connaissance ». Ça fait un peu faux cul. C'est un peu trop faux cul, ça. Oui. Bah, quand on parle d'une première rencontre, ça peut arriver, hein, les premières rencontres à Saint-Valentin. Hein. Au lieu de dire enchanté, il faut dire bonjour, enchanté, monsieur ou bonjour madame, bonjour mademoiselle, je suis ravi de faire votre connaissance. D'ailleurs, ne dites jamais bonjour madame pour une première rencontre. Essayez de dire plutôt mademoiselle. Ça serait plus flatteur aussi. Ah, c'est vrai. Y a des fois, tu peux. Pour les femmes, si, c'est plus flatteur de dire mademoiselle que madame. Ah ouais? Et ouais. Si elle a une alliance, tu fais comment? Ah ben là il y a un problème dans ce cas. Comment tu peux savoir que si elle est, non, si là, elle est avec quelqu'un ou si... Non mais là ça serait très grave pour une soirée de Saint-Valentin que d'avoir à faire une dame qui est mariée quand même. Hein. Là je m'inquiète là quand même. Alex qui a dit attends, il y a une alliance. On parle au restaurant là. Mais oui. Imagine là tu parlais en réception. Ah non, là nous sommes au restaurant là. Ah bon? Ah oui, là, nous sommes au restaurant. Précisé, ah si, c'est au restaurant. Après, bien sûr, dans les entreprises, c'est vrai que dans les entreprises. Des cocktails tu peux pas. C'est vrai que si on sort du contexte restaurant et qu'on va dans le contexte, on va dire, entretien d'embauche, tu vas pas serrer la main à ton employé en disant enchanté. Mais tu vas pas lui répondre bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance. Non, ça fait plus. C'est pour ça que les phrases sont un peu focus par derrière. Donc, elles sont très focus.
C'est pas ça, mais tu vas non, pas. Non, mais tu vois, par exemple, par rapport à un cocktail, à une réception, voilà, tu vas, par exemple, tu vas pas dire bonjour mademoiselle si tu sais qu'elle est mariée. Tu vas à un entretien de la CAF, bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance. D'accord, ok, tout ce que vous voulez. D'accord, bonjour. Alors, tu vas lui dire Hugues. Non, mais c'est la formule. De... Règle-moi mon dossier, puis après on se barre. Je suis ravi de faire votre connaissance. Écoute, tu sais, je suis pas ravi de voir la CAF. Et non. Imaginez l'entretien de la CAF. Imaginez un petit truc comme ça. Bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance. Bon, bah, écoutez, monsieur, dans votre dossier, je vais supprimer votre RSA. Merci, madame. Ah. Je vous remercie. Au revoir. À bientôt. Non, mais attendez, il faut arrêter un peu le. Supprime-moi mon RSA, je te supprime la gueule. Tout de suite. Non, mais vous imaginez le truc? Non, mais il y a un problème, il y a un petit problème. Ah non, mais c'est, je veux dire, de savoir vivre. Supprime-moi mon RSA, je te retourne le bureau sur la gueule. De savoir vivre ça, pas dans les deux sens, quoi. C'est terrible, quoi. Même dans les administrations, voilà, c'est une horreur, quoi. Non, mais le problème, c'est que la CAF, que ça soit la CAF, les sécu, les trucs, les machins. La politesse, ils connaissent pas eux. Hein. Bon, bien sûr, dans les entreprises, dans les administrations, il n'y a pas besoin de dire je suis ravi de faire votre connaissance. Vous, vous faites au plus simple, bonjour. Point. Ouais, c'est bonjour. C'est une administration. C'est bonjour. Je viens pour tel problème, basta. Tu me le règles au plus vite bonjour, avant que je te retourne. Règlement problème et dépêche-toi. Ouais. Non, avant que je te retourne le bureau. Non, j'ai rien entendu. J'ai mes oreilles qui sifflent là. Donc, 15e règle. À une réception, ne présentez pas votre compagne par la formule mon ami IE, mais énoncez sobrement son prénom et son nom. Ceci évitera toute interrogation ou raillerie sur la durée de l'engagement, donc passage d'intérim ou mariage imminent. Donc, vaut mieux présenter directement son nom et son prénom plutôt que de dire c'est mon ami, c'est ma, oui, encore, je dirais que ça, s'il dit c'est ma femme, ça va. Mais mon ami, c'est vrai que ouais, le mot ami, disons que il y a ça peut être amical ou comme ça peut être, disons qu'il y a plusieurs formes d'amitié. C'est oui. Ça qu'il faut se dire. Voilà. C'est quand on dit que ça peut être mon meilleur ami, comme en tout cas ça peut être mon ami, IE, ça veut dire mon ami, je sors avec quoi. Mm. Et ça évite, on va dire, les ambiguïtés. Oui, on va dire ça comme ça, et puis les mauvaises interprétations. Mm. On va dire ça comme ça. Ah, dire Sébastien, tu vois. Alors là on va rire. Je sais que Cédric, quand je lui en ai parlé hier, il a été mort de rire. Ah oui, voilà. Il était mort de rire quand j'en ai parlé hier sur le chat avec ça. Alors, je vous dis la phrase du thème et là je pense que vous allez être mort de rire. Donc à table, je suis mort de rire. Oui, moi aussi, je fais le pire. Donc à table, fumer, se gratter, tousser, rôter, etc. Oui. Qu'est-ce que vous le faites? Bah non. Rôter, hein? Pardon, alors là, je suis désolé, mais à table, il y en a qui rotent sans cesse. Et oui, il y en a qui s'amusent même à péter à table. Alors, ça, je trouve ça aberrant. Nous avons des dossiers, apparemment. Non, nous avons des. Je ne citerai pas de nom, mais je sais qu'il y en a qui fument. D'ailleurs, il y en a besoin. Alors, on est sur le contexte à table. Nous sommes sur le contexte à table, dans tous les sens du terme, que ce soit chez soi, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans n'importe où. Tu m'as déjà vu fumer à table? Fumer, non, peut-être pas, mais il faut. D'ailleurs, je t'en mettrais une si tu m'étais fumé. donc, je ne mettrais une pas dans le sens violent, hein, mais c'est voilà. Alors, déjà, je vais vous poser la question. Peut-on fumer, bailler, se gratter, se curer les dents ou bailler à table? Non. Comment faire quand on a envie de se moucher ou tousser lors d'un repas? Donc, on va essayer de faire des conseils. Alors, on va commencer par le bâillement. Mettre la main. Mettre la main devant soi. Tout ouais, simplement. Même pas. Si. C'est de prendre la serviette et de le faire. Bah oui, mais si t'as pas serviette, le plus simple, c'est de mettre ta main devant toi. Oui, aussi. Attention quand même au. Comment on appelle ça quand on est dans un restaurant? Au. Comment on appelle ça? Pas au virus, mais aux bactéries, s'il vous plaît. Quand on met dans une main, parce qu'après tu quand tu tousses, quand tu mets dans une main, vous savez comment ça marche. Là, je vous fais des préventions santé. Tu bailles devant la main, t'as les bactéries qui font sur ta main, et après tu mets ça sur les couverts du restaurant. Donc pas bon. Mmh. Mauvaise réponse pour celui qui a dit ça. Oh, mais il est là. Et ben alors, en gros, c'est tu le fais, tu il penses lave, que t'as pas le droit de bailler ou de. Alors d'abord, t'as pas le droit de bailler, bah, comment tu peux bailler? D'abord, la moindre des choses par rapport au bâillement, c'est de réprimer votre bâillement lorsque quelqu'un vous adresse la parole. Mmh. Ça, c'est déjà la moindre des choses. Mais au cas où vous n'avez plus, vous ne pouvez pas vous retenir. Mettez toujours la main devant dans votre bouche, c'est ce qu'on dit. Mais moi, dans un restaurant, je suis pas très pour. Par contre, rien n'est plus inélégant d'exposer au regard son ennui et ses amygdales. Mmh. Mais
dans un restaurant, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, serviette. Ouais, ouais, c'est le. Si c'est dans un restaurant, oui, c'est serviette. Mais si par exemple t'es en privé, bon, tu peux faire à la main. Mais après, tu peux laver tes mains après, parce que après, bon, voilà. Concernant se curer les dents, et bon appétit pour ceux qui sont à table. Ah non, ça par contre, non. On est tous. Essayez non. de le faire discrètement. Là, j'ai pas d'idée, j'ai pas la solution. Ça dépend, te curer, si t'as quelque chose de coincé, il faudra bien enlever un moment. Eh ben, c'est de penser, c'est bah passer non, le plus ta langue entre, au niveau d'essayer. Des dents. C'est de, ouais. d'avoir. Attends, je pense que c'est le plus simple. Je suis en train de chercher. Genre, bon. Faut pas compliquer les choses, moi, c'est simple. Alors, je vais vous donner une solution simple. C'est-à-dire que même s'il y a des cure-dents sur la table, ne vous curez jamais les dents à table. Ça, c'est clair. Prenez-en discrètement, puis au moment du café, servez-vous-en dans les toilettes ou la salle de bain. Ouais. Ah. Tout simplement. Ouais. Alors, pas bien ce que j'ai fait mon... Dans les restaurants, vous pouvez faire dans les toilettes. Oh, c'est pas grave, tu vas juste curer le nez à table. Oh, ah non. J'ai pas pensé à ça. Et, bon, se moucher, ça sera pour tout à l'heure. Fumer à table. Ah, mais ça, là, je pense pas. C'est en plus, c'est interdit dans les restos. Ouais, je pense aussi, ouais, c'est interdit. Oui, mais bon, on sort du contexte resto et que vous êtes chez des amis. Parce que le problème, c'est que non, ça se fait pas parce que les aliments peuvent prendre l'odeur de la bouffe. De la clope. La bouffe peut prendre l'odeur de la clope et c'est dégueulasse. Ça, c'est vrai. Et puis, t'as surtout le goût du goudron des cigarettes plutôt que de déguster, on va dire, des bonnes papilles. Toi, t'es fumeur, d'accord. Ouais, mais non, mais pour ceux ça... que pour ceux qui fument pas, ouais, voilà. Bah, excuse-moi, tu respires plus, tu respires plus et t'as plus le goût de l'odeur de cigarette plutôt que de manger un bon steak. Hein. Ouais. C'est un petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Puis pas bon, je rappelle, parce que prévention tabac qu'on a déjà fait l'année dernière, c'est que les fumeurs passifs, c'est des gens qui respirent l'odeur de cigarette, c'est dangereux. Ouais. Et c'est deux fois plus dangereux qu'un fumeur. C'est très au niveau prévention tabac, on l'a déjà évoqué cette histoire l'année dernière dans la saison dernière, si vous en souvenez. Donc ne fumez pas avant qu'on serve le fromage et uniquement si des cendriers sont disposés sur la table et toujours après avoir demandé à vos voisines, à vos voisins et la maîtresse de maison la permission. Ouais. Ne fumez que si on vous le permet. Et enfin, surtout ne cassez pas l'ambiance en sortant de table pour fumer dehors en entraînant d'autres invités. Ben, tu sais quoi, personnellement, moi, au moment du fromage, si la personne a envie de fumer, vaut mieux sortir sur le balcon, aller fumer une clope que ça n'accommode personne, même si t'as l'autorisation de fumer. Je suis désolé, le respect de l'appartement. Pauvre dessert, si tu manges un bon tiramisu, le pauvre odeur du tiramisu. Ah, bah, pas tiramisu, s'il vous plaît. Hein? Je vais en manger aujourd'hui. Ouais, c'est bon ça. Mais, donc imagine maintenant l'odeur de cigarette en même temps. Ah non, voilà. Je ne pourrais pas. Bah voilà, okay. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Allez, autre chose, se gratter les poètes. Donc, si vous voulez vous gratter les poètes, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? On prend les deux mains et on gratte. On les met sur la table et on se gratte. Alors oui, mais bon, ouais, c'est mon problème à moi, ça, parce que je me gratte souvent. Oui. Donc, ah, parce que toi, tu te grattes les poètes sur à table, toi? Non, mais ça me gratte souvent. Ah, ça te démange, tu vas dire? Oui, en fait. Ah, bon, après, ça ne regarde pas le reste, pourquoi, non, après, on va pas te demander non plus de détailler ton histoire, mais bon. Bon, concernant pour les grattages de 1-1, même si vous êtes, pris à table de démangeaison, restez stoïque et ne vous grattez pas, ou alors le plus discrètement possible. J'imagine. Vous pouvez aussi d'attendre d'être seul pour curer votre nez ou votre oreille, au passage. Oh. Oui, parce qu'on peut se gratter le nez et les oreilles aussi, pas uniquement les poètes poètes. Hein. Mais il faut surtout attendre d'être seul. Voilà, ça c'est le moindre des choses. Dans les WC. Oui, ben dis donc, dans les WC, on se pose des questions. Hein. concernant se moucher. Un mouchoir. Oui, on essaie de tourner, ou dans les WC, pareil. Et faites tourner les serviettes, pardon. Non, c'est de s'éloigner de la table. C'est s'éloigner de la table et puis avoir un mouchoir. Ouais. Alors, il faut d'abord, il faut pas secouer votre mouchoir pour le déplier. Ouais.
Il faut saisir le mouchoir discrètement entre le pouce et l'index. Alors ça, c'est compliqué. Hein. Mouchez-vous sans faire un bruit à deux trompettes, sans vous détourner. Dans un restaurant, ça devait être comique, ça. Sans faire de bruit de trompette et sans vous détourner, puis comme si ne rien n'était, le plus naturellement possible sans l'examiner. Ne posez pas non plus votre mouchoir sur la table. Ah. Bon appétit. Enfoncez-le au plus vite dans votre poche. Oui, normal. Après, surtout, le soir, lavez votre pantalon, s'il vous plaît, hein, parce que les mouchoirs dans les poches, c'est pas forcément agréable. Hein. Concernant on a dit se moucher, mais pour éternuer aussi. Même chose. Les mains. Non, même chose. C'est le mouchoir. Hein. On l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est la main devant la bouche. Oui, mais bon. Et puis demander que l'on vous en excuse. Si vos éternuements sont à répétition, par exemple, si vous avez la grippe, si vous avez tout ce que vous voulez, mais même, faut pas sortir. On risque de vous dire à vos souhaits ou à vos amours, répondez alors merci tout simplement. Ouais, en gros, bah, si t'es malade à éternuer sans cesse, bah tu sors pas. Et si tu éternues que t'as un gros problème sur l'assiette. Attends, j'ai pas compris. Si vous éternuez d'un coup et que vous avez le gros molar sur l'assiette, je vous raconte pas. Chérie, je vais faire. Et là, je vous raconte pas. Excusez-moi, mais j'essaie de trouver toutes les circonstances possibles. Alors, c'est pour ça que j'en parle avec humour. Mais ça peut exister, malheureusement. On en rigole, on dit beaucoup d'humour, mais malheureusement, ça peut arriver. Et c'est ça le pire. Et là, par contre, je vous raconte pas la honte. Hein. C'est clair. Chez soi, on s'en fout, mais alors dans un restaurant. Je préfère même pas imaginer. Ça serait horrible. Pour tousser, alors là, c'est pareil. Donc il faut étouffer votre toux. J'ai pas dit votre voix ou tout ce que vous voulez. C'est votre toux qu'il faut étouffer au creux de votre main et surtout ne raclez pas votre gorge et ne crachez pas. Et encore bon appétit. Et il manque encore le truc le plus grand, rôter et péter. Alors là, Joker, c'est ça? Ouais. Tu essaies de pas rôter ou t'excuses pour péter. Ah si, il y a une tactique. Oh, il y a une tactique. Oui. Vous buvez un litre de coca mais sans rôter, vous faites comment? Je peux pas. Non, il y a une tactique. Oh. Ah, je pense que c'était ça. C'est le roi intérieur. Faut pas que je me trompe. Ce qu'on appelle le roi intérieur. Ouais, mais là c'est pas bon pour l'œsophage. Oui, voilà. Ouais, c'est là, voilà, le roi intérieur, mais après c'est pas bon pour l'estomac. Et l'œsophage aussi. Voilà. Ouais, mais bon, c'est la seule façon que. Mais c'est la seule façon, voilà. Au restaurant, de pas. Sinon, l'autre, il arrive. Bonjour pour les oeufs. Non, mais un peu peut-être. Alors, parfois, on ne peut les réprimer. Il faut bien que le corps exulte. Ça, on le sait. Ce soit dans l'un ou dans l'autre sens, hein, que ce soit le haut ou le bas. N'en faites pas toute une histoire, quand même. Dites brièvement pardon. Faites quand même avec discrétion, sans en faire des caisses, surtout. Ça serait sympathique et un petit peu poli pour votre part. Et pas, excusez-moi, mais je suis mort de rire, rien que d'en parler. Et reprenez au plus vite le cours de votre conversation, comme si rien n'était. Alors, ça fait pas très poli, par contre, je trouve ça. Ouais. Vas-y. Ok, comment tu vas? Je vais bien. Non, mais non, sans dire pardon. Tu disais que je voudrais, oui. Ah pardon. Ah oui, toi d'abord. Après t'as l'odeur l'odeur pestilentielle des oignons qui monte, tu sais. L'odeur des. Je vais mourir. Et si vous voulez, je vais être. On va faire un petit peu de crise de fou rire. Si vous voulez aller au resto le soir, ne mangez pas des foyaux le midi. Hein. Non. Parce que je vous raconte pas le soir et mangez pas d'oignons non plus le midi, hein. Parce que je vous raconte pas le soir au resto, ça va être très sympa et très comique. Je vous le dis, je ne vous dis que ça. Pardon. Bon, les coca c'est pas méchant, mais alors surtout évitez les oignons, les faillots, tout ça. Déjà, je vous raconte pas le soir, hein. Et je vous raconte pas non plus la nuit au sommeil d'ailleurs. Ah, la nuit, oui, d'ailleurs. C'est voilà. Pire. C'est pire. Bon, ça faisait un petit peu d'humour. Ah, je commence à avoir plus de souffle avec. respire. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi ça t'a mis mort de rire, c'est ça? Ah oui, ça me. Alors, autre détail, de toute façon, on a encore plus de 20 minutes avant qu'on fasse les actus. Dans les hôpitaux, comment ça fonctionne? Dans les hôpitaux,
c'est un peu là c'est encore là c'est encore là c'est encore autre chose parce que ça ouais, c'est ce que là, c'est, et pourtant ouais, c'est, là c'est particulier et pourtant c'est important ce qu'on va dire parce que dans les hôpitaux c'est très 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 important. Sachez que n'oubliez pas que qu'on n'est pas forcément tout seul dans les chambres. Mmh. Et, ça, deux, et la personne qui est à côté de vous peut avoir une maladie beaucoup plus grave que soi. Il faut respecter la personne. Donc, ce que je vais vous dire, c'est très, très important. Alors, durant une hospitalisation, côtoyer d'autres patients et des personnels de l'établissement, il convient donc de respecter quelques règles élémentaires de savoir-vivre. Alors, je vais vous dire ce que vous, après, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord, le savoir-vivre, et après, il y a des règles d'hygiène. Mmh. On va faire ces deux-là. Au niveau du savoir-vivre, premier point dans les hôpitaux, ne détériorez ni les locaux ni le matériel mis à votre disposition. Oui, logique. Ça, c'est logique. Bien sûr, tu vas pas prendre le fil et tu vas pas dire ah bah oh qu'il est joli, ah vas-y que je l'emmène à la maison après. Et tu vas pas le mettre non plus et tu vas pas mettre non plus le tuyau dans le bon voilà, excusez-moi. Deuxième point, usez avec discrétion des appareils de radio et de télévision ainsi que des baladeurs. Mmh. Voilà, c'est très important. Troisième point, évitez les conversations trop bruyantes. Logique. C'est logique. Logique. Imaginons qu'il y en a un qui dort profondément, mm-hmm. faut faire très attention quand même. Quatrième point, soyez courtois avec les autres malades, les visiteurs et le personnel. C'est logique. Bonjour, au revoir, voilà. Restez discret aussi, ne vous mêlez pas non plus de des conversations privées, ouais. Des discussions privées. Ça serait la moindre des choses de pas se mêler. C'est de logique pas se... aussi. Non mais c'est pas marqué, mais je le dis. J'ai rajouté quelque chose. De toute façon, même si tu dis, c'est logique. C'est oui. Logique. Hein. Cinquième point, soyez ponctuel lorsque vous avez rendez-vous pour une consultation. Alors, hein, alors là-dessus, je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bien d'être ponctuel, mais il faudrait qu'en retour, qu'ils respectent aussi les horaires de leur, des rendez-vous qu'ils donnent. Hein. C'est aussi la moindre des choses. Sixième point sur le savoir-vivre. Si vous ne pouvez pas vous rendre à la consultation programmée, pensez à annuler votre rendez-vous auprès du secrétariat afin de que ce créneau horaire puisse être attribué à notre patient. Oui. Alors 24 heures voire 48 heures voilà, avant. En général 24 heures. Après, si vous êtes très 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 malade, bien sûr, vous pouvez faire le jour même. Oui. Ça peut arriver. Donc ça, c'est sur le savoir-vivre. Au niveau hygiène, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire en règle d'hygiène dans les hôpitaux ? Pas de fleurs. Non. Je pense que déjà les règles d'hygiène, déjà c'est avoir les mains propres. Oui. Se laver les exactement ça. Exactement ça, c'est le premier point. Attendez. Bienvenue dans 30 millions d'amis au passage. entre la tourterelle, les chiens, les lapins, les oiseaux, les chats. Non, mais lapin, pas de bruit. De comment oui, mais les lapins, aussi. Non, pardon. Je vais pas dire, j'en dirai pas plus. donc, en fait, il faut effectivement se laver les mains au savon. J'ai bien dit au savon, hein, pas au à la crème, au crème, vous savez, les crèmes. Il faut le savon après être allé aux toilettes. Mmh. Et avant de manger aussi. Mmh. Et ensuite, avant de sortir de sa chambre. Eh ben. D'hôpital. Ah oui, dans l'hôpital. Alors, oui. Bien sûr, là, ce que je viens de dire, les mains au savon, tout ça, aux toilettes et avant de manger, ça marche pour tout, hein. C'est pas uniquement pour les hôpitaux, ce que je viens de dire. Mmh. En revanche, avant de sortir des chambres, effectivement, dans les hôpitaux, c'est important. Prendre une douche par jour. Dans les ça, hôpitaux. C'est sûr. Ça, c'est vrai. C'est compliqué. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Dans les hôpitaux. Le soir. Voilà. Ils conseillent le matin, mais normalement, c'est mieux de la prendre le soir. Que ce soit le soir ou le matin, de toute façon, tu es obligé de prendre une douche tous les jours. Mmh. Ça, c'est obligé. Ouais, un petit peu. Et troisième point, de veiller à une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, que ça, ce soit bain de bouche, ouais. Bain de bouche ou brosse à dents, faut pas hésiter. Quand t'as le temps, quoi. Ah ben, t'as pas le choix dans les hôpitaux. Ah ben, moi, j'ai été deux jours et je me suis pas lavé ni brossé les dents. Il y a quand même aussi des règles de sécurité à respecter dans les hôpitaux. Mmh. Premièrement, il faut fumer dans l'enceinte de l'établissement et pas en public. Et par mesure d'hygiène et de sécurité. Dans le coin réservé, c'est ce que je veux dire, dans l'enceinte. Ouais, mais maintenant, c'est dehors. Oui, non, c'est à l'extérieur. Oui, mais il y a aussi, tu vois, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les, il y a un petit espace, tu vois, réservé. Non, maintenant, c'est en extérieur. D'accord, bon, ça a changé. Maintenant, c'est en extérieur, bah, un truc psychiatrique. Alors, d'apporter ou de se faire apporter des boissons alcoolisées. Ouais, ça, c'est interdit. Mais non. C'est interdit, bien sûr. Évidemment, c'est interdit ce que je suis en train de vous dire. Mmh. Donc, de fumer dans l'enceinte de l'établissement, il faut pas fumer. D'apporter ou de se faire apporter des boissons alcoolisées, c'est interdit aussi. Mmh. D'accord. Interdit également de se faire remettre des vivres, boissons ou médicaments sauf autorisation expresse de votre médecin. Ouais. Tout ce qui vient de l'extérieur n'a pas le droit d'être importé. C'est vrai. Et là, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais aussi interdit d'utiliser des téléphones portables. Ah bah oui. Dans l'hôpital, oui. Parce que après, t'as vu, à l'hôpital, il n'y a pas.
t'as les radios, t'as tout ça, donc t'as pas le droit. Les électrocardiogrammes, voilà, tous voilà, ces choses. C'est par rapport à l'appareil qui est électronique, t'as pas le droit. Figure-toi voilà. qu'il y a des services où avant de rentrer dans le service, ils te confisquent le portable. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui, dans le service cardiologie, et ça devrait être fait dans tous les services cardiologie, or ça ne l'est pas fait. Mmh. Avec les personnes qui sont atteintes de problèmes de cœur, avec les machines cardiaques, qui est par rapport au truc, ça risque de faire déconner les machines. Et c'est ça pourquoi, comme il dit Sandy, tu peux mettre le mode avion quand tu es dans ce service-là. Même les portables sont interdits dans les services cardiologiques. Alors je vais expliquer pourquoi c'est interdit à cause du réseau qui peut interférer dans les. Et tu mets le mode avion, c'est interdit. Oui, pareil, même, mode avion, ça marche même. Aussi. C'est pareil. C'est pour ça que maintenant il les confisque avant de rentrer dans le service cardiologie. Effectivement, non, parce qu'il y a toujours le réseau, même en mode avion. Oui, mais tu auras pour l'éteindre. Et puis tu peux m'expliquer. Pour l'éteindre, ton réseau, il fonctionnera quand même. Je vais te poser une question. À quoi ça sert d'avoir ton téléphone portable en mode avion si tu l'éteins et que tu le mets en mode avion, que tu l'éteins. Mais ça sert à rien. Autant de place en ton portable. Si tu l'éteins, il reçoit plus d'ondes. Eh ben. Mais ça sert à rien. Parce que vous n'avez pas le droit, quoi qu'il en soit, de l'allumer. Oui, mais même si on ne l'allume pas. Bah, oui, mais même qu'il soit éteint, il reçoit quand même. Vous proposez d'avoir votre portable à condition qu'il soit éteint, mais le problème par mesure de sécurité. C'est pas de l'avoir. Vraiment, même si par mesure de sécurité. Il y a une histoire de sécurité. Bah, et sinon, si. Non, parce que après. Donc si ma mère est en truc cardiologique, je ne vais pas prendre mon portable. Bah, parce que après. Par exemple, si mon frère il est à l'accueil, je dis tiens, mon frère, je te passe mon portable, moi je vais voir ma mère au truc cardiologique, mais toi tu montes pas, mais je te laisse mon portable. Je vais quand même répondre à ta question, parce qu'en fait, même si t'as ton téléphone sur toi, éteint, que tu es sûr de tout ça, t'as quand même la tentation de l'allumer. Et tu imagines à côté, t'as quelqu'un qui est malade du cœur. Pas toi forcément. Moi, j'étais à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital de voir ma grand-mère ou tout ça, moi, mon portable était éteint, ou même je laissais mon portable chez moi. Je parlais pas de toi uniquement, je parlais en général. Les gens auront la tentation d'allumer le portable. Mais, si les gens ont la tentation, là, ils sont là vraiment, c'est un peu bête. Ils s'inquiètent, bon, écoute, il faut que j'allume, il faut que je vois si j'ai un message. Tu vois, il y a des gens qui ont la tentation de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un message? Ça, c'est n'importe quoi. Les seuls qui sont autorisés en cardiologie à laisser leur téléphone portable, c'est les médecins, les infirmières. Ouais, les mais flics, là c'est pas des là c'est pas les des, flics c'est pas et des les pompiers. Téléphones qu'ils ont, c'est des bips. Ils ont pas le droit. Ils ont normalement des talkie-walkie normalement. C'est des bips mais c'est des bips ou des talkie-walkie. Oui, des bips. Ça fait quand même des ondes. Ouais, mais ça donne quand même des ondes. Mais c'est les seuls qui sont autorisés, les pompiers, les flics, les médecins et les infirmières. C'est tout. Alors. Autre dernier point de sécurité, et là ça va vous surprendre, enfin surprendre oui et non, c'est interdit d'introduire des animaux dans l'établissement, sauf exception. Est-ce que vous connaissez laquelle? C'est quoi? Il y a une exception en revanche. Ouais. Pour les animaux, est-ce non. que c'est pas les caniches? Non. Bah les chiens? Non. Oui, c'est des chiens, mais quoi? Ah, labrador, je sais pas. Non. Non, c'est des chiens de. Oui, je sais lesquels que c'est. C'est des chiens de basse taille. Genre de bassé ou non. Les... C'est pas une race. Ils sont à quatre pattes. C'est pas une race, c'est une circonstance. Si le maître est en fin de vie. Non plus. Est-ce que par exemple si la personne est aveugle? Exactement. Ah oui, les chiens d'aveugle, oui, ils sont obligés, oui. C'est les chiens d'aveugle qui sont en exception dans les hôpitaux. J'ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai pas entendu aveugle, hein. Excusez-moi, j'ai pas. Oui, excuse-moi, j'ai dit labrador. Non, mais labrador, c'est une race. C'est pas une histoire de labrador. Labrador, c'est chien d'aveugle. Et c'est pas une histoire de labrador, c'est pas une race, c'est sur les circonstances. C'est pas la même chose. Il y a que les aveugles. Qui a trouvé. J'ai dit, à mon avis, je pense que c'était plus simple. Oui, il y a que les aveugles, oui, c'est logique. Alors, vous êtes invité à dîner, vous arrivez à quelle heure? Une demi-heure, un quart d'heure avant ou une demi-heure avant? Non, je pense que c'est une demi-heure avant. Alors, si vous avez le carton d'invitation qui indique 20h, il faut prendre cet horaire au pied à la lettre. Alors, il faut être ponctuel, mais arriver à 20h15 montrera notre délicatesse à laisser quelques minutes de plus à notre hôte pour se préparer. Donc, en gros, c'est plus le contraire. C'est d'arriver plus tard. D'arriver un quart d'heure après, le temps que l'hôte soit bien prêt pour d'avoir bien préparé le dîner. Oui, d'accord.
C'est le contraire, en fait. C'est stupide. Donc, si vous dites 20h, essayez d'arriver un tout petit peu plus le temps qu'il soit bien prêt. J'arrive à 21h30. Alors, que faire si on est en retard, justement, dans cette situation? C'est si le quart d'heure de politesse est déjà dépassé et qu'il nous reste encore 15 minutes de bus, ou on téléphone pour s'excuser et surtout, on insiste pour que les festivités commencent sans nous une fois arrivés sur place. On fait, bien sûr, une entrée discrète et, bien sûr, d'excuses. Qu'est-ce que vous apportez si vous êtes invité? Rien. Ça peut être soit une bouteille de vin, soit des fleurs, des chocolats. Fleurs, oui. Ça peut être. Les fleurs, oui. La bouteille de vin, oui. Pas mal. Soit c'est bouteille de vin. Alors moi, c'est bouteille de vin, ou soit c'est. Le dessert. Qu'on était chez l'invité, c'est ma mère, Doudou. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait pris? C'était bouteille de vin et puis. C'est de l'alcool ou le dessert. Ou le dessert. Non, t'avais fait deux choses. T'avais pris bouteille et autre chose, boîte de chocolat. Voilà, c'est ça. Un dîner, une boîte de chocolat? C'est bizarre, hein? Bah oui. Pour l'autre. Pour l'autre, pourquoi l'autre? Pour l'autre. Ah, l'autre, parce que j'ai entendu l'autre, moi. Une boîte pour la remercier. Oui, mais vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert pour le repas, la boîte de chocolat? Pour la manger après? Pour après. Parce que vous avez mangé une boîte de chocolat après un bon dîner. Question aussi. Au café. Digestif. Ah, le café, oui, je suis d'accord. Pour le café, oui. Tu peux proposer des chocolats. Hein. Ouais, bof, je suis pas très. Par contre, je suis d'accord pour la boisson, pour le vin. Les fleurs, c'est plus pour une femme. Hein. D'accord. Oui. Hein. La bonne bouteille de vin, voilà, quand c'est entre amis, entre potes, tout ça. Alors par contre, une petite explication, c'est pas parce qu'une bouteille coûte 17€ qu'il faut crier sur tous les toits. Regarde la bonne bouteille de 17€ et c'est pas la peine de se vanter en disant ça sert à rien du tout, quoi. Ça sert à rien du tout, strictement rien. Alors donc les règles de la table tout à l'heure, on les a dit, vous savez, les fourchettes à gauche, tout ça, ça on l'a dit. Oui, ça. Donc l'art de faire une conversation, la discussion est l'occasion de montrer quel parfait convive on fait et combien il est important de nous avoir à table ou pas. Pour que les choses se passent bien, on fait attention à ne pas nous monopoliser la conversation et moi je, vous savez, ces genres de choses là. On s'intéresse d'abord à nos interlocuteurs et on ne parle pas plus de 2 minutes d'affilée. Ça, c'est très intéressant. Bonjour, au revoir, merci. Si on ne connaît pas les autres invités, on pense à trier nos sujets de conversation. On peut faire des petits jeux aussi, hein, on peut faire des petits jeux aussi pour qu'on ne connaît pas les gens pour qu'ils se sentent, on va dire, pas en confiance, mais qu'ils se sentent, on va dire, intégrés dans le groupe. Ça, de faire des petits jeux comme ça, je trouve que ça serait sympa des petits jeux de connaissances, vous savez, des petits papiers, pas des actions vérité, pas des trucs comme ça, s'il vous plaît, mais surtout les actions, je m'inquiète. Des petits jeux de connaissances, quoi, pour apprendre à connaître l'autre. Moi, je trouve ça très intéressant. Ouais. Alors, les 5 erreurs à éviter absolument. On n'annule pas sa venue au dernier moment. Ah oui, non, ça. ça serait bien. On n'arrive pas avec ses 4 enfants parce que la babysitter s'est décommandée au dernier moment. Ouais. On ne se resserre pas 3 fois d'un plat. Vous étiez au courant, ça? Ça veut dire que si vous avez... on peut faire 2 déjà. C'est déjà pas mal de se resservir une deuxième fois. Oui, après, faut demander à ce que... Voilà. Alors par contre, on se resserre pas 3 fois, sauf si bien sûr l'autre insiste énergiquement à vous offrir une 3e, bien sûr. Oui, voilà. Mais si on vous demande pas, ne vous servez pas une 3e fois. C'est un petit peu la moindre. On ne sauce pas notre assiette avec un morceau de pain. Ah, j'aime bien le A. C'est tellement dit. C'est dit d'un naturel, tellement. Moi, je l'ai toujours fait personnellement parce que moi, j'ai envie. Parce que après, c'est du gaspillage. Bah oui. Imagine, il te reste de la sauce, il te reste du pain. Tu vas pas laisser ça comme ça. Là, moi, je peux faire l'exemple du midi. Moi, ma mère a fait du bœuf bourguignon, qui était bon d'ailleurs, avec du Bordeaux d'ailleurs. Et du coup, j'ai saucé parce que, bon, déjà j'aime bien le goût du vin. Et c'est vrai que je peux pas laisser ça. C'est du gâchis, c'est des trucs. Et très important, et c'est dommage que Lionel n'est pas avec nous. Quand il entendra le podcast, il va se dire, ah oui, tiens. Il va nous dire, on ne reprend pas quelqu'un qui a fait une faute de français. Ah. Ça. Après, ça dépend. Quelqu'un qui parle et qui fait des petites fautes de conjugaison, des petites fautes de grammaire, des petites fautes en disant, par exemple, sans le faire exprès, en disant un salade au lieu de une salade, ou alors, je sais pas, je vous donne d'autres exemples,
Oui, des fautes de grammaire ou de conjugaison aussi. Boué, par exemple. Oui, boué, voilà, par exemple. Tu vois, que c'est la juste la fromage. Juste au hasard. Comme la fromage. Juste au hasard. Juste au hasard. C'est pas de chance. C'est donc ces genres de choses, voilà, ça sert. Oui, voilà, après il y a des trucs. Ça sert à rien de rabaisser, voilà, la personne, tant que ça soit bien convivial, de bien tout ça, au lieu de, parce que ça peut freiner, ça peut refroidir l'ambiance de reprendre des fautes de français. Donc pour éviter de refroidir l'ambiance, même si quelqu'un, le mieux c'est de même pas y faire gaffe. Même si c'est pas sans faire exprès, moi je pense qu'il faut pas reprendre la personne qui fait une faute de grain de mer. Le mieux c'est voilà, pas... je pense que. Après, bon, ça, il y a des gens qui, bon, ils savent pas peut-être au départ comment ça. Mais après, faut pas, je pense. Après, bon, si c'était pour sans faire exprès, bon, voilà. Mmh. Le mieux, c'est de pas faire gaffe. Et ben voilà, on a fait le sujet du savoir vivre. Il est 19h, il nous reste une heure. Ah bah oui, bien. Qu'est-ce que vous voulez? Non, j'ai encore un truc que tu dois rester avec moi. Dans la prochaine pause, tu pourras partir. Tu comprendras la prochaine pause. Non, dans 30 minutes. Est-ce que vous avez une petite conclusion vite fait à dire sur le sujet? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que c'est des choses que vous? Est-ce que déjà vous-même tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous le faites? Alors, je pense que Max. Oui, de toute façon, que ce soit qu'est-ce que t'as dit à propos de la assiette et des fourchettes, tout ça, de toute façon ça on sait faire. Après donc de toute façon de savoir vivre déjà roté déjà moi ça t'es mort de rire, ça roté pété j'ai jamais fait ça, heureusement. Bon, ça par contre là-dessus tu l'attendais, tu étais mort de rire là-dessus, hein. Ah ça... oui, moi je suis mort de rire parce que vraiment roté pété j'ai jamais fait ça. En revanche, bon, pour pailler ça, je savais pas qu'on pouvait mettre autre chose que la main. J'étais un peu étonné, mais bon, mais ça m'a appris des choses. Ça t'a appris des choses, je t'en prie. Après, voilà, ça, il y a des. Et sinon, sur tous les thèmes que je vous ai évoqués, tous. Non, mais voilà, il y a des bases. Bon, après, voilà, c'est selon. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a qui te disent oui, il faut avoir des politesses, des machins. C'est les premiers à pas le respecter. C'est vrai. Le problème, c'est comment. Comment tu peux avoir du respect pour la CAF, pour les autres, pour la CAF. Non, pas spécialement. Même en général, en général. Comment tu peux avoir du respect pour les autres, or que eux, par derrière, ils respectent déjà même personne. Alors, qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, on s'en fout. C'est leur problème. Non, mais qui respectent pas les autres, ça, par contre, c'est pas bien. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça le savoir vivre. La plupart, maintenant, les jeunes, c'est... ils peuvent ne pas se respecter, puis entre eux, faire ce qu'ils veulent. Mais qu'ils ne respectent... jeunes, oui, c'est vrai. Que ça soit les jeunes et que ça soit les personnes âgées, hein. Oui. Il y en a, ils se disent, oui, c'est pas parce que je suis âgé, tu dois me respecter. Non, bah, je suis désolé. Si tu me respectes pas, comment tu veux que je te respecte? Faut avouer que la nouvelle génération, au niveau savoir vivre, C'est zéro. Là, tu vas ramer, hein. Alors zéro, on exagère un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont quand même beaucoup de respect, qui ont beaucoup de passion. Mais il y en a malheureusement. Quand on a beaucoup, la plupart, au lieu de suivre les cours qui sont en cours et puis qui, au lieu de suivre ce que le prof il dit, ils sont avec leur téléphone portable à envoyer des textos, à regarder leur mail ou à s'envoyer des photos ou des trucs comme ça. Excuse-moi du peu, il est où le respect là-dedans? Ben, là où on peut. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a fait le tour. De toute façon, les jeunes, la plupart, ils respectent plus rien maintenant. Donc, ça veut pas dire qu'on est vieux, au fait, au passage. Je rassure tout le monde. C'est que voilà. Mais la nouvelle génération, effectivement, c'est un côté savoir-vivre. Je tiens à rappeler que le savoir-vivre dépend de l'éducation aussi. C'est des parents. Mais bon, il faut que les enfants aussi. Je dis pas que tous les parents sont incompétents au niveau de l'éducation des enfants, mais il faut dire que les enfants aussi, ils sont... En revenant sur... je vais pas parler un peu de mon vécu, sur savoir-vivre, je veux pas dire les prénoms, tout ça, mais bon, je pense que si ma mère m'entend, peut-être sur la radio, c'est que sur deux personnes, je veux dire, mon frère et sa copine, c'est comme du genre... attends, ça, c'est un peu... Pour moi, c'était même pas... du savoir-vivre. Ça, pour moi, c'était un peu... la péter pour dire oh, on est des rois, tout ça. C'est vrai. Tu veux dire qu'il y en a qui en font des tonnes et des caisses en disant nous on a du savoir-vivre et vous êtes rien. C'est vrai que les gens qui ont du savoir-vivre. Moi je les ai regardés bizarrement, je dis dans ma tête, je dis
et mon cul, t'es quoi, t'es roi de quoi, t'es reine de quoi, toi? J'ai dit, mais et j'ai regardé mon père, j'ai dit, comme il disait dans la maison de mon père, j'ai dit, pourquoi j'ai dit, mon père il réagit pas, c'est bizarre. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de ceux qui ont de tous ces savoir-vivre que je vous ai parlé, ceux qui au lieu de critiquer ou de rabaisser les gens qui n'ont pas de savoir-vivre, apprenez-les. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas la peine de les rabaisser ou de les rejeter, de les exclure parce qu'ils ont pas les savoir-vivre que vous. À la limite, c'est apprenez-leur comment ça fonctionne pour respecter autrui. On dit que les jeunes n'ont aucun savoir-vivre, mais je te dis, il y a des personnes âgées qui sont pires. Au lieu de passer par la répression, passer par la prévention et par l'apprentissage. C'est comme ça. Il y en a qui le veulent pas, forcément. Bah, en privé, on fait ce qu'on veut. Quand t'es seul, quand t'es chez soi, tu fais ce que tu veux chez soi. Mais en public... Oui, voilà, il y a un minimum à faire. Voilà. Mais quand t'as un jeune qui respecte rien du tout, et puis voilà... C'est ça le problème. Je parlais du domaine public. Dans les domaines privés, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Dans le domaine public, la plupart des jeunes qui respectent rien, c'est parce qu'ils veulent se rendre intéressant, tout simplement. C'est plutôt le contraire. C'est pas en agissant comme ça qu'on va justement les respecter et aller vers eux. Ah oui, non, mais c'est le contraire. C'est clair. Non, mais voilà le problème. C'était une petite parenthèse qu'il fallait dire. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Voilà, c'est fini. À très bientôt.